bonsoir, bonsoir. <laughs> Marc andré Solos Marc andré Solos est un étonnant voyageur ou devrais-je dire un merveilleux guide pour des voyages insolites et savants La première destination fut en novembre 2017 mmh. un voyage au pays des microbes. C'était en référence avec le livre Jamais seul, avec en sous-titre Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'était votre première venue ici, Marc-André. Ce fut déjà un grand plaisir. Pour la seconde destination, Marc-André Solas nous a emmenés au pays des tanins, en lien avec un, un livre nouveau, Les goûts et les couleurs du monde. Euh, je je l'ai dit dans le mauvais sens, non non, non c'est bon ça. C'est ça. ça. Bon, c'est bien. C'était en 2019. <laughs> voilà, c'était en 2019. Et Marc-André est aussi un conteur formidable. Et ce soir, il va nous parler en toute simplicité de l'origine du monde, qui est le titre de son nouveau livre paru en septembre dernier et qui est édité, comme tous les autres, chez Actes Sud, livre qui nous propose cette fois un voyage dans les sols. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, un petit rappel de votre itinéraire, euh, Marc-André. Si je dis des bêtises, je n'ai pas très actualisé. Euh, C'est celui d'un enfant parisien qui, passant ses étés dans le Morbihan, va apprendre à aimer la nature. Enfin, oui, à Belle-Île. Hein à, à belle en mer Études à l'École normale supérieure d'Ulm, agrégation de sciences naturelles à l'ENS Lyon, thèse dans l'équipe de microbiologie forestière à l'INRA de Nancy. Médaille d'argent de l'Académie d'agriculture de France, quand même. <laughs> Vous devenez professeur à l'Université de Montpellier, 2, je crois, avant de rejoindre le Muséum d'histoire naturelle de Paris en 2013. Vous enseignez également dans diverses universités et grandes écoles. Vous êtes professeur invité aux universités de Gdansk, en Pologne. Vous y avez trouvé votre femme, je crois. Enfin, C'est l'inverse. C'est à cause d'elle que... J'enseigne là-bas. Voilà. Ah bon, d'accord. Bah, C'est toujours compliqué. Ah, Je n'avais pas à demander <laughs> quand même tant que ça. Et, et aussi en Chine, toujours. Oui. Et, membre, et vous êtes membre aussi de l'Académie d'agriculture de, de France. Euh, vos enseignements portent sur les microbes, l'écologie, l'évolution. L'écologie et l'évolution. Et vos recherches sur les associations de bénéfices mutuels, c'est-à-dire la symbiose, impliquant les champignons. Ah, les champignons, tiens. Alors là, je ne le quitte plus, celui-là. Qu -ce oui, alors pas bon celui-là. Là, Ce n'était pas enfin, très bénéfique pas, pour l'arbre qu'il portait. Hein. Ce pas un sympathique. Là, là, ça va se finir mal. Non, là, ça va se finir mal. Pour l'arbre sur oui. lequel on, on l'a pris euh, tout à l'heure euh, au tabord. Hein. Euh, vous êtes aussi éditeur de revues scientifiques internationales euh, et d'espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles chroniqueur dans l'émission de France Inter, La Terre au carré, pendant toute une année, entre septembre 2020 et juin 2021. Nous retrouvons 43 de ces chroniques du vivant dans cet ouvrage qui vient de paraître sous le titre Petites histoires naturelles, un livre préfacé par Mathieu, Mathieu Vidard, le producteur de l'émission, qui termine cette préface ainsi. Je vais dire juste... Où est-ce que j'ai... Voilà je termine cette préface ainsi. Vous en ressortirez de la lecture. Hein, vous en ressortirez nourri de mille et une connaissances et avec quelques armes bien utiles pour partir vous aventurer dans les contrées du gai savoir écologique. Alors, bon voyage à tous. Ben voilà, la boucle est bouclée. Hein. Quand je vous disais étonnant voyageur, voilà ça, ça continue. Et puis alors, il y a ce soir, vous nous proposez de nous parler des sols, ces compagnons que nous méconnaissons et qui sont l'origine du monde. Donc titre de ce livre, avec en sous-titre une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Alors ceux qui le piétinent, on peut piétiner. Euh parce que parce qu'on est obligé de piétiner mais piétiner ça peut avoir deux sens piétiner ça peut être méprisé foulé aux pieds euh, voilà c'est je suppose que vous jouez un peu sur ce oui et c'est pour apprendre à le piétiner bien c'est un livre pour apprendre à le piétiner bien, voilà. Nous en reparlerons tout à l'heure et j'espère avoir le temps de vous dire tout le bien que j'en pense et le plaisir que j'ai eu à le découvrir. Je ne répondrai pas à une interrogation écrite hein, car assimiler toutes les informations euh, et toutes les connaissances qu'il contient ne peut se faire que par étapes, je crois. Mais le style, mais le sens de l'image, mais l'humour, mais les illustrations d'Arnaud Raphaélian. Euh, rend ce livre indispensable aux amoureux de la nature. Ah si, vraiment. Un mot sur, euh, sur Arnaud Raphaëlian qui viendra euh, nous voir parce qu'il était prévu pendant la pandémie, malheureusement on a dû annuler cette conférence, il était prévu qu'il vienne avec, euh, avec Roland Lehoucq, dont il a illustré aussi un livre. Finalement, il se, il se, il se consacre beaucoup aux livres scientifiques. Oui, bah, à la base, c'est l'illustrateur de la revue Espèce. Voilà, c'est ça. Mais on l'a tous détourné euh, <laughs> à la suite de ses illustrations de nos articles pour illustrer des choses plus volumineuses. Oui, oui. Et c'est vraiment. Un... Alors, il a. Il a, il a... Le, le, le... Enfin, je veux dire, son dessin apporte quelque chose en plus, c'est ça, à la ce qui est raconté dans le livre. Oui, il a l'insolence pédagogique. On voilà, c'est ça, c'est très bien. Bon, eh bien, ce soir, donc, on va découvrir ces sols, ces compagnons que nous méconnaissons, que nous traitons mal et que l'on va réapprendre à aimer grâce à vous, Marc-André J'espère. À tout de suite. On se retrouve pour les questions après. Et merci, merci aussi. À tous les internautes qui nous rejoignent, il y a déjà un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints sur, sur Internet, puisque cette conférence est diffusée aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Euh, et vous dire aussi que, bien sûr, les, les, vous pourrez faire signer vos livres et discuter avec Marc-André Solos à l'issue de cette conférence en allant à l'étage au-dessus où se trouve la librairie Le Fayer. Très bonne soirée à tous. Alors, merci beaucoup de cette introduction. Et pour introduire mon propos, je voudrais, à propos de cette image, vous dire que beaucoup de gens pensent que c'est un écosystème terrestre. Beaucoup de gens ont peut-être vu des images comme celle-là en se disant que les écosystèmes terrestres étaient beaux. Mais si vous pensez que c'est un écosystème terrestre, alors vous me rappelez ces poux qui discutent, cramponnés à des poils, et qui contemplent cette surface rose dont sortent des piliers noirs, le cuir chevelu de leur hôte en se disant entre eux, c'est beau un homme. En fait, tout ça n'est que la pellicule du monde, la pellicule des écosystèmes terrestres. C'est beau, mais c'est là que ça se passe. Et donc, je vous propose qu'on s'enterre quelques instants ensemble. Euh, il y a un plaisir réel à s'enterrer, car ce que je vais vous montrer, c'est rien moins que ce que sont les écosystèmes terrestres, et d'une certaine façon, en réalité, l'origine du monde tel que nous le connaissons. Il faut réaliser que ce sol est plein de vie, c'est un sol vivant, vivant de multiples organismes. Les premiers organismes qui habitent le sol sont les champignons. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce que les champignons, on les récolte en forêt ou on les récolte dans les prairies, ils ont l'air ils ont en surface. Oui, mais ceci n'est pas un champignon. Ceci n'est que la partie par laquelle le champignon se reproduit. Et les lamelles ici, ou, les, ou la partie inférieure du champignon que Maët a ramené et d'ailleurs cachée, qui est encore là ceci n'est que la partie qui produit des spores une fine poudre de cellules qui tombant au sol vont être capables de germer lorsqu'elles germent elles émettent en fait un filament un filament qui est microscopique tout aussi microscopique qu'elle et qui est, par sa croissance qui va donner par sa croissance ce qu'est le champignon car ce filament grandit alors là c'est accéléré bien sûr grandit se ramifie se lie, s'anastomose, forme des réseaux avec les autres filaments, un réseau complexe qu'on appelle en fait le mycélium. Et c'est cette partie souterraine que vous devinez ici sous le pied du champignon comme un feutrage blanchâtre, c'est cette partie souterraine et microscopique qui est le champignon. Ce que vous en voyez est juste l'organe reproducteur et moi je vous parle dans le sol de cette partie vitale faite de filaments microscopiques et qui font au fond des champignons. Des microbes. Ces champignons donnent leur odeur à certains sols. Ils émettent, lorsqu'on les casse, une molécule qu'on appelle l'octénol, et qui est l'odeur de champignon la même que, quand, que vous avez quand vous coupez un champignon de Paris. Beaucoup de sols, notamment les sols forestiers, sentent le champignon, ils sentent l'octénol, et par leur odeur, ils révèlent ce que vos, œufs, vos yeux ne peuvent pas voir c'est qu'il y a des champignons dans le sol. Bon, alors les champignons ne sont pas les seules petites choses à voir dans le sol il y a également des bactéries. Je vous ai mis là quelques bactéries euh, unicellulaires en petits chapelets, en paquets, notamment ces streptomyces qui appartiennent aux, aux actinobactéries et qui sont des bactéries qui vivent en chaînettes. Des bactéries, il y en a plein dans le sol. Et ces fameuses actinobactéries, comme les streptomyces, ont la caractéristique de produire une molécule odorante, la géosmine, qui, comme son nom l'indique, en fait, en grec, est l'odeur de sol. Si vous avez déjà senti de la terre, cette odeur de terre très caractéristique et eh bien il s'agit tout simplement de la géosmine et donc l'odeur de terre nous raconte que nous avons tous croisé dans notre vie les actinobactéries nous les connaissons par leur odeur juste nous ne leur donnons pas de nom nous ne leur demandons pas de forme mais de nouveau ici l'un de nos sens nous rappelle discrètement leur présence et l'importance et l'abondance de la présence microbienne dans les sols d'ailleurs cette odeur de sol s'échappe lorsque l'eau de pluie envahit le sol et Diluée dans l'air, elle contribue au pétricor, cette odeur particulière qui règne après la pluie, l'odeur d'après la pluie, qui est en fait l'odeur d'actinobactéries. Alors ne me dites pas que vous ne les connaissez pas, vous connaissez de multiples façons leurs odeurs, vous les négligez, comme nous négligeons tous, collectivement, souvent, la vie dans les sols. Alors Bactéries, champignons, c'est pas tout. Il y a aussi des choses qu'on appelle des amibes. En voilà une filmée en vitesse réelle cette fois-ci, qui vous révèle que ces amibes sont des espèces de gels déformables. Ils sont formés d'une cellule qui se déforme et qui, par cette déformation, avance ou avale des bactéries. Les petits points ou les petits filaments que vous voyez à l'écran sont aussi des bactéries, et c'est ça que mangent la plupart de ces amibes. Voilà encore des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont fréquentes dans les sols où elles se meuvent. En dévorant des bactéries. C'est tout Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les sols Alors, on me dit qu'il y a des animaux. Moi, ce n'est pas à ça que je penserais en premier. Bien sûr, il y a des animaux, mais on ne va pas continuer avant que vous ayez trouvé ce qu'il y a d'abord, avant les animaux. Mais les vers de terre sont des animaux Il y en a, c'est promis, je vous en montrerai. Mais quoi d'autre Allez, je vous aide. C'est ce qu'on voit partout sans le voir. Mais les végétaux, voilà, nos paysages sont truffés de végétaux. Ben, sous terre aussi, le tiers de la masse du végétal se trouve sous terre. Et donc, il y a aussi des racines. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais ok, le végétal, il n'habite pas que sous terre. Ok. Mais il y a quand même des racines. Et puis, il y a aussi des animaux. Alors, je vais quand même vous en parler. Euh, vous avez ici un petit film où vous voyez courir un colombole en bas à droite, au milieu. Un pseudo-scorpion, tiens, là on le voit de près avec ses pinces impressionnantes, est en train de se déplacer à la recherche de proies, encore un colombole, -en des tout petits vers microscopiques, les nématodes, un acarien, entre des filaments de champignons qui doit être en train de dévorer d'ailleurs. Un mille-pattes, un prédateur inquiétant, de grande taille, celui-là. Un, un vrai vers, pour le coup, proche des, des lombriques dont vous me parliez tout à l'heure, un insecte. Oui. Il y a plein de groupes différents. Dans le sol. Et pour le coup, euh, on les voilà à l'écran. Alors, bien sûr, il y a les vers de terre auxquels on pense d'emblée, mais il y a aussi les acariens, il y a aussi des colamboles, des pseudoscorpions, dont l'armement vous montre que certains de ces animaux mangent d'autres animaux, et puis des vers microscopiques, les nématodes. Et la plupart de ces animaux, quand ils ne mangent pas d'autres animaux, ce qu'ils mangent dans le sol, c'est pas de la matière organique morte, des microbes. Et où les trouver et bien sûr, de la matière organique morte. Mais dites-vous bien que tout ce monde-là mange du microbe en moyenne, voire mange des animaux qui ont mangé du microbe. Bref, ce sol, il est habité. Et dans un gramme de sol forestier de chez nous, c'est de l'ordre d'un million de bactéries appartenant à des milliers d'espèces différentes que l'on trouve. Dans ce même gramme, il y a des milliers d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Et au total, par hectare, vous avez 5 tonnes de microbes. 5 tonnes de racines et une toute petite tonne et demie d'animaux auxquels vous avez pensé d'emblée, mais dommage, dommage. Ils sont moins abondants que ce qu'ils mangent, les racines et les microbes, et ça c'est normal. Alors, finalement, ces quelques douze tonnes environ représentent l'équivalent de, selon leur taille, 150 à 250 moutons par hectare, que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Il y a là 25% des espèces décrites et de nombreuses espèces inconnues, notamment parmi les microbes. Rien qu'en France, on compte dans nos sols au moins 115 000 espèces de bactéries. Comparez ça à moins de 600 espèces d'oiseaux et moins de 200 espèces de, de mammifères. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et puis, ce sol, il abrite au total entre la moitié et les trois quarts de la biomasse vivante. Et si vous ajoutez la biomasse morte, feuilles mortes, animaux morts, microbes morts qui se trouvent dans le sol. C'est 60 à 90% de la matière organique totale qui se trouve là. C'est là que ça se passe. Vous n'êtes qu'à la surface du monde. Vous vivez dans la banlieue de l'endroit où ça se passe. Et en réalité, c'est vraiment la périphérie car ce n'est pas vraiment là que ça se trame en termes de mécanisme. Car ce sol est fait de vie et vous allez voir là tout un tas de processus se dessiner qui permettent le reste et qui permettent de dessiner finalement les paysages que vous, vous voyez en surface. Alors, je voudrais commencer sur les mécanismes qui font le sol et qui font finalement la vie, en général, par cette image assez classique de ces feuilles que l'on balaye en ville quand vient l'automne. Dieu merci, on n'est pas obligé de balayer en forêt ou dans les champs. Que se passe-t-il donc Sur le béton, sur le macadam, sur le gravillonnage les feuilles qui tombent n'ont pas accès au sol. Lorsqu'elles ont accès au sol, elles sont rapidement dévorées et elles disparaissent. Le sol est un grand recycleur de matière organique, mais quand on n'a pas de sol, alors là, la matière organique s'accumule et ne se décompose plus. Cette décomposition, qu'est-ce que c'est alors voilà, c'est une pomme qui va subir une évolution accélérée, et où on va voir qu'en fait elle se fait à partir d'un petit point dévoré par des bactéries et des champignons qui ont réussi à s'infiltrer dedans et qui petit à petit vont la manger, respirer et mettre du CO2 dans l'atmosphère, transformer la masse en éléments minéraux qu'ils rendent au milieu. Et ça, c'est ce qui se passe quand la matière organique touche le sol. Et ça a une conséquence importante, c'est qu'en dévorant cette matière, les organismes du sol vont en quelque sorte la recycler. Alors, pour vous faire comprendre ça, je vous présente un rond de sorcière. C'est-à-dire un de ces cercles de champignons qu'on trouve dans des pâtures ou des prairies ou des jardins. Alors vous et moi, nous savons maintenant que quand à l'automne on voit ce cercle de parties émergées, ça veut dire qu'en dessous il y a ce réseau de filaments microscopiques et que ce réseau de filaments microscopiques est donc disponé, disposé pardon, en couronne. En fait, quand on coupe ça, on comprend que ce qui se passe, c'est que ces filaments microscopiques croissent vers l'extérieur en dévorant des choses dans le sol, mais quand ils les ont mangées, eh bien ils meurent de faim et finalement ils disparaissent. Ce qui fait que ce cercle est limité par un, un cercle de croissance et un cercle de mort, d'inanition, qui fait que le mycélium est localisé sur une couronne et quand il fabrique des spores, et bien vos champignons sont en cercle. Ceci est réglé. Nous avons donc une nutrition active qui se produit dans la zone périphérique. Et pour le coup, cette nutrition active, c'est que la matière organique morte est consommée par le champignon qui en fait sa propre matière, mais il doit, comme vous et moi, également avoir de l'énergie. Et pour cela, il respire. Et quand il respire, c'est un feu. Le feu, ça produit du CO2, ça produit aussi de la vapeur d'eau, puis ça produit des cendres. Vous et moi, nous avons aussi des cendres. Nous les évacuons dans l'urine. Et dans l'urine, il y a de l'azote et du phosphate. Eh bien, les champignons évacuent aussi de l'azote et du phosphate qui va se retrouver libéré dans le sol. Et ça, ça explique une chose, c'est que vous devinez peut-être sur ce cercle que l'herbe pousse mieux. Les déchets de la décomposition sont en fait des engrais. Pour l'herbe qui pousse. Alors, je vais vous montrer maintenant un rond de sorcière au printemps. On ne voit pas les organes reproducteurs du champignon, mais on voit très bien un cercle d'herbe verte. Et si cette image ne vous convient pas, je vous emmène dans les pouilles où là, vous verrez que l'herbe pousse nettement mieux sur le cercle où se trouve le mycélium du champignon. Et oui, cette décomposition, cette attaque de la matière organique, relibère du CO2, de l'azote, du phosphate et d'autres minéraux qui vont servir à d'autres plantes à pousser. Ce qui fait que, comme disait Pasteur, avec une vision du microbe qui était très nuancée, vous allez voir, et pas simplement négative comme on l'imagine parfois, ce qui fait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matières mortes et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux, qui ne se décomposeraient pas. Sans eux, la vie deviendrait impossible, parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. OK, donc notre sol contient de la matière organique qui explique sa couleur noire et qui est en devenir. Elle est en attente et elle finira par être décomposée. Elle est en attente de décomposition. Mais vous le voyez bien sur cette image, il y a aussi dans le sol de la matière minérale issue de la roche sous-jacente, des morceaux minéraux, des morceaux de roche de toute taille. Alors, regardez ce qui se passe quand on trempe un petit cristal dans de l'eau. Il se dissout très, très, très lentement. Et se dissout par toute sa surface. Ici, j'ai mis dans l'eau un petit cristal d'apatite, un cristal qui est riche en phosphate, ce qui n'est pas inintéressant pour les organismes. Et ce petit morceau-là s'est dissout, mais par toute sa surface. D'abord, il s'est très peu dissout, et il s'est dissout par toute sa surface, elle est encore lisse. Rajoutons dans l'eau où trempe ce cristal quelques gouttes d'un jus de sol. Et là, L'image est toute différente. La surface apparaît complètement grêlée. Le cristal s'est beaucoup plus dissous. Au fond de chaque trou, il y a des microbes qui sont en train d'aider à la dissolution de la roche, car c'est pour eux une source de phosphore. En fait, quand on met un morceau de roche dans l'eau, et dans le sol, il y a l'eau de la pluie, eh bien, il se dissout petit à petit, libérant du calcium, du fer, du potassium, du phosphate. Bon. Rajoutons. Des petits microbes qui colonisent cette surface et qui ont intérêt à récupérer certaines de ces substances. Non seulement par leur présence, ils retiennent l'humidité, ce qui va augmenter le temps où il y a de l'eau qui dissout la roche, mais en plus, ils émettent localement de l'acidité qui va activer la dissolution. Au total, la dissolution est plus rapide. Ça leur profite, mais ils travaillent salement. Il y a des fuites. Et ces fuites font qu'une partie de ce qu'ils ont dissous et notamment des substances qui peuvent nourrir d'autres organismes, finit par s'en aller avec l'eau du sol, et ceci contribue à la fertilité du sol, non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres. Et donc on peut bien dire que le sol, la vie dans le sol, conduit à ce que cette matière organique qui est présente dans le sol soit décomposée, à ce que la matière minérale qui est dans le sol soit lentement altérée. Alors c'est lent, donc il y a un stock en attente, mais c'est une salle d'attente pour la décomposition et l'altération. Mais c'est pas fini. Parce que dans un sol, il y a aussi des trous. Des trous qui sont remplis d'eau et de gaz. Eh oui, il y a une atmosphère du sol, il y a des gaz dans le sol. Et ces gaz, qui viennent de l'atmosphère en partie, mais pas seulement, vous allez voir, qui viennent aussi de la vie du sol, ils sont extrêmement importants. Par exemple, plus vous vous enfoncez dans un sol, moins il y a d'oxygène. Parce qu'en fait, l'oxygène est capté par des organismes, dont des animaux, mais aussi des bactéries qui l'utilisent, ou des champignons, qui l'utilisent pour respirer. Et donc, plus vous vous enfoncez, plus vous avez de CO2, puisque c'est un produit de la respiration. Et l'histoire, c'est qu'en fait, votre sol, comme on dit, respire, c'est-à-dire que ses habitants respirent, et ils consomment de l'oxygène, ce qui fait que plus on est en profondeur, plus l'oxygène a été consommé avant d'arriver en profondeur, et ils produisent du CO2, ce qui fait que plus on est en profondeur, plus il y a de CO2 produit qui peine à s'évacuer. Vous voyez que d'ailleurs... Du coup, la composition de l'air du sol dépend en partie de la vie aussi. Les gaz viennent de l'atmosphère, mais ils subissent des modifications par la vie qui se trouve là. Et parmi tous les gaz de l'atmosphère, il y en a un qui a une importance particulière pour le sol, parce qu'il explique la présence dans le sol d'un atome, d'un élément, qui n'existe pas dans la roche. Et qui est pourtant abondant dans les sols et dans les plantes qui poussent dessus. Vous avez idée duquel L'azote. Ah ben, très bien, c'est l'azote. Alors, on sait par exemple qu'il y a des plantes qui enrichissent le sol en azote. On les appelle des engrais verts. Pourquoi Parce qu'elles transforment l'azote atmosphérique en azote protéique, ammoniacal ou nitrique, enfin en azote utilisable par le vivant. Alors, disons-le tout de suite, cette opération, la fixation de l'azote, c'est n'est pas elles qu'ils font. C'est une usurpation. Vous allez retomber sur des microbes, vous allez voir. En réalité, ces plantes, les trèfles, les luzernes, les pois, les haricots, effectivement enrichissent le sol en azote. Mais l'histoire est beaucoup plus compliquée qu'une simple histoire de plantes qui seraient capables d'exploiter l'azote de l'air. En réalité, quand vous inspectez leurs racines, vous vous apercevez qu'elles portent des jolis renflements roses qu'on appelle des nodosités. Et ces renflements roses, sont en fait des élevages de bactéries du sol, que la plante recrute dans le sol et qu'elle nourrit avec des produits de sa photosynthèse. Et ces bactéries, les rhizobiums, ce sont elles qui sont capables de transformer l'azote gazeux de l'atmosphère rentré dans le sol en acides aminés, et d'en donner une partie à la plante, qui du coup va être elle-même très riche en azote. D'ailleurs, nous consommons les graines de ces plantes-là sous le nom de protéagineux, parce qu'elles sont très riches en protéines. Mais en fait, c'est les bactéries qui font le travail. Les plantes ne sont que des immeubles à bactéries dans cette histoire là. Néanmoins, quand la plante et ses bactéries sont, finalement à leur mort retournent au sol, elles vont être lentement décomposées et redonnées de l'azote qui, lui, sera maintenant de l'azote du sable, pardon, de l'azote du sol utilisable par les plantes et les organismes du coin. Il y a aussi des bactéries libres qui moins efficacement car elles ne sont pas nourries par des plantes, sont capables de faire ça des azospirillome ou des azotobactères et toutes 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 ces bactéries, toutes ces plantes qui abritent ces bactéries, finalement leurs acides aminés et leur azote organique va à un moment ou un autre se décomposer et nous redonner l'azote minéral comme les nitrates par exemple qui dans les sols sont la réserve utilisable par tous. Mais l'azote du sol vient de l'atmosphère. Et il illustre que les gaz aussi qui pénètrent dans le sol sont en devenir sous l'effet de la vie. Voilà. Le sol, c'est de la matière organique en devenir, de la matière minérale en devenir, de l'atmosphère en devenir. Et tout ça marié sous l'effet de la vie. Donc, vous voyez que quelque part, cette diversité, notamment de micro-organismes, hein, parce que là, on n'a pas vu trop d'animaux, hein, euh, elle construit le sol. Ce sol est fait de vie, mais et alors rassurez-vous, vous allez voir arriver les, les animaux parce que les gens aiment bien quand il y a des animaux qui bougent, donc on va avoir des animaux qui bougent. En fait, tout ça est animé par la vie et là vous allez voir les animaux font leur travail. Oui, parce que vous observez que bien sûr il y a plus de matière organique vers le haut, là où tombent les débris. Bien sûr il y a plus de matière minérale vers le bas, mais il y a quand même une tendance au mélange. C'est pas l'un sur l'autre, hein, c'est un peu touillé. Alors qu'est-ce qui mélange ah, voilà. Alors là, les vers de terre. Nous avons un film accéléré qui nous montre des vers de terre en train de triturer un, un, un terrarium dans lequel on a déposé des couches claires et des couches sombres. D'ailleurs, les couches claires, c'est de la matière minérale. Les couches sombres, c'est de la matière organique. Vous voyez que les jours passants, et ici un peu plus vite d'ailleurs que dans nos vies à nous, euh, les jours passants, eh bien, ils commencent à tout mélanger. Effectivement, l'activité incessante des vers de terre crée un brassage. Mais c'est pas seulement un brassage par leur mouvement. Ce sont des agents du mélange bien au-delà simplement de la perturbation mécanique et de l'agitation qu'ils créent. Pourquoi Vous voyez qu'on commence à ne plus trop voir les limites et c'est ça qui se passe dans les sols. Beaucoup de sols sont lentement touillés par de la vie de vers de terre, mais pas que. Aussi touillés par l'alimentation des vers de terre. Les vers de terre absorbent de la matière organique, des déchets de plantes qui sont riches en bactéries qui s'en nourrissent. Mais ne vous leurrez pas, ces débris de plantes sont peu digestes pour eux, voire contiennent des tanins ou des terpènes assez toxiques pour les vers de terre. Alors, ils mangent aussi des grains de sable, parce qu'ils ont un jabot musculeux qui va broyer leurs aliments, mais tout comme les poules, eh ben, ils ont, enfin, le broyage est plus efficace si on ajoute des alors pas des cailloux parce que c'est pas des poules là, mais si on ajoute des grains de sable. Donc ils mangent des grains de sable et puis ils complètent en mangeant de l'argile. Pourquoi Parce qu'ils font exactement comme vous avec du smecta, qui est une argile. Quand il y a des toxines et que vous rajoutez de l'argile, l'argile a tendance à fixer les toxines. Et donc ça leur permet de fixer toutes les toxines des plantes qui seraient négatives pour eux. Et donc, euh, ils triturent tout ça, puis bah, ils sont comme vous et moi, il leur arrive de passer aux toilettes. Alors, ils ne passent pas aux toilettes, hein, enfin, ils font caca soit en surface, parce que c'est plus facile de faire caca en surface que dans son trou, soit dans un coin de leur trou. Et dans leur crotte, on retrouve toute la matière organique qu'ils n'ont pas digérée, puisque je vous rappelle que ce n'est pas la matière organique qui digère, bien mélangée avec des argiles, et bien mélangée avec éventuellement quelques grains de sable qui se sont échappés. Vous le sentez, le mélange là, là, dans la crotte de verre de terre. Et certains sols sont en fait un empilement de crottes de vers de terre. Vous avez la formation de ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, le mariage étroit de la matière minérale et de la matière organique du sol. Tout ça grâce aux crottes des vers de terre. Crottes surtout déposées en surface et qui font que dans les sols riches en vers, les objets s'enfoncent, car les vers ont tendance à manger en dessous et à chier par-dessus. Ici, nous sommes dans un cimetière irlandais dont on distingue la zone médiévale, la zone renaissance classique et la zone moderne. Vous voyez que plus les tombes sont anciennes, plus elles se sont enfoncées jusqu'à disparaître complètement dans l'herbe. C'est les vers de terre, tout simplement. Et vous sentez que les objets finissent par transiter dans le sol, s'enfoncer pour ceux qui sont en surface et remonter pour toute la matière extraite par les vers de terre. Bon, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Contrairement à une image répandue, tous les sols ne contiennent pas de vers de terre. Il y en a chez nous qui n'en ont pas, les Landes-Bretonnes par exemple. Et puis il y a des continents où il n'y a pas de vers de terre. En Amérique du Nord, il n'y en avait pas. D'ailleurs, ils ont été introduits par l'homme et c'est un désastre parce que c'est une perturbation écologique majeure pour des plantes et des sols qui n'étaient pas adaptés à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un sol où il n'y a pas de vers de terre Qui mélange vous allez voir que la réponse à cette question révèle toujours le même lancinant problème. Qui mélange Les microbes. C'est pas bête, il y en a qui... Vous allez voir qu'il y a des... Mais les microbes, bon, quand même, leur capacité, leur bras de levier quand ils mélangent... Hein. Mais il y en a qui, oui, un déplacement d'amibes, ça peut mélanger. Alors j'ai les mammifères... Hein. Mais pourquoi, dans un monde où la masse qui vous entoure est faite de 95% de végétaux, vous les voyez pas? Vous vous rendez compte du problème? Votre monde il est vert, quand je monte à mes étudiants de Lyon, le tableau du denier Rousseau, et je leur demande qu'est-ce que c'est, ils me disent de lions. Le denier Rousseau, il a payé de la peinture verte. Il y a du vert partout sur cette toile, il y a deux pauvres taches <laughs> brunes en forme de lion, et tout le monde voit que ça alors que c'est un tableau qui a coûté cher en verre. Bon. Et oui, les plantes, il faut pas oublier qu'il se passe des choses en dessous. Mm -hmm. Alors, bon, c'est un tout petit peu exagéré, c'est un des dessins d'Arnaud Raphaëlian. Euh, la réalité est qu'un tiers, comme je vous le disais, en moyenne, de la biomasse des plantes est souterraine. Et elle est surtout faite de racines fines, ce qui fait que vous et moi, quand on arrache une plante, ou quand le vent a arraché un arbre, dont ne vient que les grosses racines, nous négligeons que c'est réellement un tiers de la masse totale, la moitié de ce qu'on voit en surface qui est en dessous. Et que font ces racines Elles remontent des choses et elles en descendent d'autres. Par exemple, quand une racine pousse, c'est une intrusion de matière organique. Et la racine va libérer de la matière organique dans le sol en profondeur, soit par les fuites et les sécrétions qu'elle produit, 10 à 14 de sa photosynthèse, soit quand elle meurt, finalement, en laissant sur place... De la matière organique. C'est donc la racine une injection de matière organique en profondeur. Cependant, que les racines remontent des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, mais aussi des choses comme de la silice, du fer, vers le haut, vers les feuilles, vers les parties aériennes. Et où finissent les parties aériennes Tôt ou tard, elles retombent en surface. Mais elles retombent au-dessus. Pensez par exemple que même si la silice est un composant de détail des, des arbres, il tombe 50 kg de silice par hectare et par rang dans nos forêts avec les feuilles mortes. C'est donc un très lent et continu labour, certes moins efficace qu'un labour humain, certes moins efficace qu'un labour de lombrique, mais c'est un mélange perpétuel qui exécute les plantes. Pas besoin de verre pour mélanger un sol. Il suffit qu'il soit vert au-dessus. Les plantes y suffisent. Alors évidemment, vous avez dit, quelqu'un d'entre vous a parlé de microbes, et c'est vrai que... Les champignons, par exemple, en poussant, déplacent de la matière qu'ils ont prélevée à un endroit et qu'ils expédient dans les zones en croissance. C'est vrai que les microbes continuent, contribuent aussi, alors encore moins efficacement, mais contribuent aussi à des déplacements et à des mélangers d'ailleurs. Les plantes utilisent cette propriété des champignons. En effet. Les racines des plantes sont très souvent associées à des champignons du sol qui les colonisent. Vous voyez que ce qu'on appelle des racines, souvent quand on passe au microscope et qu'on colore du champignon, eh bien on s'aperçoit que ça contient des filaments ici colorés en bleu de champignon. Et ces champignons en réalité font également des filaments dans le sol. Ils explorent donc le sol autour de la racine et ils vont aider la plante à se nourrir en transférant des aliments, de l'eau, des sels minéraux depuis les endroits où ils sont jusque vers la racine. En fait, ces racines sont ce qu'on appelle des mycorhizes. Elles contiennent du champignon myco et de la racine riza en grec. Donc c'est un mélange des deux et au niveau de ces racines colonisées qu'on appelle des mycorhizes, la plante donne du sucre au champignon qui lui permet de se développer, cependant que le champignon donne une partie de l'eau et des sels minéraux, azote, phosphate, potassium, voire du fer et d'autres choses qu'il a été cherché dans le sol. Et cet échange, qui est vital pour 9 dixièmes des plantes, il est basé sur le fait que justement les champignons ont capacité à déplacer des choses également. Pas avec l'amplitude d'un ver de terre, c'est sûr. Cette association augmente le contact entre le sol et la racine d'un facteur 10 000. Et elle permet à la racine d'explorer plus le sol par procuration, pour un coût beaucoup plus faible, car pour faire la même longueur de filament et la même longueur de racine, il faut 100 fois moins de matière pour faire le filament, parce qu'il est beaucoup moins gros qu'une racine. Et en plus, il y a un autre rôle de ça, c'est que pour le champignon, la racine est devenue son garde-manger, et tout ce qui, dans l'évolution du champignon, lui a, promis, lui a permis de protéger les racines a été sélectionné. Et donc, ces champignons ont un rôle protecteur très fort, un rôle protecteur par rapport aux toxines du sol ou par rapport aux pathogènes. Et pour la plante, c'est non seulement un champignon qui va faire les courses, mais en plus qui garde la porte d'entrée. Voilà. Alors, ça, ça veut dire hein, que, euh, au total, vous avez de la matière organique, de l'atmosphère, de la matière minérale en devenir le tout chorégraphié, littéralement et physiquement chorégraphié par la vie du sol. Et un des résultats marginaux de cette chorégraphie, c'est que ça fait des trous. Trous à l'endroit d'une racine morte, trous à l'endroit du passage d'une abîme, trous à l'endroit d'un filament de champignons mort, trous à l'endroit du passage d'un ver de terre. Et ces trous sont remplis d'air ou d'eau. Et voilà, le portrait du sol est terminé. Mais pas cet exposé. Car le sol existe hors de lui-même. Il n'existe pas que en lui-même. Et j'aimerais vous montrer le sol hors de lui. Et vous allez voir l'origine du monde. Alors, tout le monde sait, a entendu parler de l'effet de serre. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que l'effet de serre fait partie des choses qui rendent le monde vivable pour des organismes comme nous. Sans effet de serre, on pense que la température du globe serait en moyenne de moins 50 degrés nous avons évolué sur une Terre chauffée par l'effet de serre. Et l'une des choses qui produit des gaz à effet de serre en temps normal, là je ne vous parle pas encore d'une Terre peuplée par l'homme, c'est les sols. En effet, je vous ai dit tout à l'heure, les sols respirent. Ils produisent du CO2, qui est un des gaz à effet de serre. Mais les gaz à effet de serre ne se limitent pas au CO2 et d'autres sont bien plus efficaces. En effet, dans les circonstances où il n'y a pas d'eau, pardon, il n'y a pas d'air, par exemple parce qu'il y a beaucoup d'eau, dans des sols en noyé par exemple, certaines bactéries respirent différemment. Alors là, attention, ça va vous paraître bizarre parce que pour vous respirer, c'est utiliser de l'oxygène. Oui, mais c'est justement parce que vous vivez dans la pauvre périphérie des écosystèmes terrestres où il ne se passe pas grand chose. Et en particulier, il ne se passe pas tout un tas de métabolisme bactérien. Et microbiens bizarres, comme la capacité à respirer sans oxygène. Je suis d'accord que pour nous, ça paraît bizarre, en tout cas c'est peu tentable. N'essayez hein pas. Mais certaines bactéries parviennent très bien qui utilisent le CO2 à la place de l'oxygène, avec comme déchet du méthane. D'autres bactéries, elles, utilisent les nitrites, donc des formes d'azote oxydé du sol. Et le déchet est un gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote. Vous le connaissez. Sous le nom de gaz hilarant, mais vous allez voir, il n'est pas très drôle, parce que tout ça, c'est des gaz à effet de serre, et le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre, et le protoxyde d'azote est quant à lui 250 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre. On a donc des molécules qui, ont un eff... qui contribuent à réchauffer le globe, et le problème est que la façon dont nous gérons les sols aujourd'hui conduit à un renforcement de la production de ces gaz, et donc conduit à un renforcement de l'effet de serre. Suivez-moi. L'homme produit, davantage, fait produire davantage de gaz à effet de serre au sol de plusieurs façons. La première, c'est le labour. Qui labour, aère le sol, amène de l'oxygène, et donc dans un sol standard, la respiration microbienne en est améliorée. La quantité de matière organique s'effondre, on va y revenir, mais surtout, surtout, le sol produit plus de CO2. On aime bien les écosystèmes, les sols riches en eau, on irrigue, et évidemment le paroxysme de l'irrigation, c'est la résiculture inondée. Dans ces sols-là, il n'est plus question de respirer à l'oxygène. Ces sols-là, les sols irrigués ou ennoyés, produisent du méthane et du protoxyde d'azote. Ils le font d'autant plus que dans certains de ces sols, on a rajouté des engrais, des engrais minéraux, parmi lesquels du nitrate. Et le cocktail ajoute nitrate. Et irrigation est un cocktail explosif, enfin explosif, pas visuellement, mais climatiquement explosif parce qu'il relargue beaucoup de protoxyde d'azote. D'ailleurs, la carte de France du relargage de protoxyde d'azote est éloquente. Vous voyez se dessiner toutes les zones agricoles humides. Vous voyez le bassin parisien, la plaine du Rhin, la plaine de la Saône et du Rhône. On voit très très bien la Limagne. On voit l'Aquitaine, le bassin aquitain, mais pas la forêt des Landes. Et puis, on ne voit pas la pleine langue de Sienne, car elle, pour le coup, elle est plutôt sèche. Et là, il n'y a pas de sol en ce sont des sols qui respirent à l'oxygène. Oui, 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France sort de ses sols et de sa façon de gérer les sols. 80% de ce que nous surproduisons est lié à la façon dont nous gérons nos sols. Alors, c'est complètement paradoxal quand on y pense. Parce qu'en fait, les sols sont bien sûr une source de gaz à effet de serre, mais en fait, ils seraient surtout, si nous savions nous en servir, une façon de réduire l'effet de serre. Et ça, ça illustre le désastre de notre pratique actuelle de l'écologie. Nous l'utilisons pour comprendre ce qui ne marche pas et dicter des interdits, mais nous ne prenons pas la peine de l'étudier avant d'agir et nous dispensons de leviers d'action colossaux. Suivez-moi. Je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle le 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire 0,4%. On compte que si on augmentait la teneur en matière organique des sols de 0,4% par an, cela enterrerait une quantité de carbone, c'est ce qu'on appelle la compensation écologique, équivalente au CO2 que l'homme libère dans l'atmosphère chaque année. Vous suivez mon raisonnement tout, tout ça, c'est de la matière organique qui... Va être empêchée par le feu ou par des métabolismes microbiens rapides, comme dans du compost, de donner du CO2. Enterrée, elle va se décomposer plus lentement, elle va stocker du CO2, sans obliger nos enfants à hériter de forêts, plutôt de plantations, que nous, aurons, que nous les aurons forcés d'entretenir pour stocker nos déchets de CO2. Eh oui. Ça veut dire que cette grande initiative du 4 pour 1000, qui est malheureusement peu connue, les sols sont en fait, même si aujourd'hui ils contribuent à l'effet de serre, une des grandes solutions, un des grands espoirs pour l'effet de serre. Alors vous allez me dire, oui mais quelle matière organique Eh bien regardez dans votre cuisine. Bien sûr, il y a le fumier animal, mais il y a aussi toute cette matière organique que nous jetons et qui ne retourne pas dans les sols et qui ne sert pas à stocker du carbone. Alors bien sûr, il faut faire retrouver à tous les fumiers... Et à toutes les poubelles, tout le contenu organique des poubelles, le chemin des sols, ça n'est pas donné, mais ça vaut la peine d'y penser, non Ah oui, mais comme on ne pense pas au sol comme à une solution, eh bien ça reste à penser. Je vous ai montré comment les sols dialoguent avec le climat, dans tous les sens possibles. Je voudrais maintenant vous montrer comment ils dialoguent avec le cycle de l'eau. J'aimerais que vous réalisiez qu'avant qu'il y ait des sols, quand il pleuvait, l'eau partait en nappe ruisselante vers l'aval. On avait des crues énormes, puis entre deux crues, rien. Le sol est une éponge à eau, et l'eau qui arrive au sol va être en partie retenue, en partie elle va passer dans le sol, mais lentement, et donc vous allez avoir quelque chose qui va limiter les crues, et entre deux pluies, nourrir les rivières. Cette eau qui est retenue, elle va permettre de nourrir des plantes qui sont très exigeantes en eau. Vous savez que les plantes font monter les sels minéraux qu'elles reçoivent des champignons avec de l'eau qui s'évapore dans les feuilles. Et donc on ne peut faire une plante que si on a vraiment des grandes réserves d'eau. Et ça, le sol, ben, il, entre ses trous et sa matière organique qui retient l'eau, le sol, c'est quelque chose qui permet de retenir l'eau entre deux pluies. Et ce n'est pas rien ce qu'il faut. Un hectare de forêt consomme 30 tonnes d'eau par jour. Alors ça paraît énorme, mais ce n'est pas énorme. Suivez mon raisonnement. 30 tonnes d'eau par jour, ça veut dire que sur tout cet hectare, c'est l'équivalent d'une lame d'eau de 3 mm. Ça veut dire que chaque jour, une forêt consomme 3 mm de pluie. Sachant qu'il y a des feuilles 200 jours par an, ça fait 600 mm par an. Ben, ça tombe bien, en France, il pleut souvent un peu plus, alors, voire plus encore, un peu plus de 600 mm d'eau par an. En dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Au-dessus de 600 mm, il bah, y a de la forêt et en plus, il y a un peu d'eau qui part dans les rivières. Vous voyez que finalement, il n'y aura pas de plantes sans ce freinage de l'eau. Mais ce freinage de l'eau, il va quand même permettre à une partie de s'échapper. Je le disais, mais avec un ruissellement retardé qui alimente le cours de nos rivières et qui évite qu'on soit soumis à des espèces de dynamiques d'oued avec de violentes, de violents écoulements d'eau après la pluie, et rien d'autre le reste du temps. D'ailleurs, cette capacité à retenir l'eau, je voudrais l'illustrer en faisant avec vous un petit tour par les Andes. Alors, les Andes et d'autres montagnes, d'ailleurs des régions tropicales, ont la caractéristique d'avoir des écosystèmes d'altitude très particuliers qu'on appelle les paramos, qui sont un joyau de biodiversité végétale, mais qui ont la caractéristique, pour des raisons diverses, d'avoir une matière organique très abondante qui ne se minéralise pas très vite. On a ici des sols qui contiennent jusqu'à 20% de matière organique. Ça fait du 850 tonnes à l'hectare. C'est énorme. Ces sols vont retenir l'eau. Ils peuvent retenir jusqu'à deux fois et demi leur volume en eau. Et finalement, ces sols finissent par être, on le devine à l'écran, de véritables gels. Ce sont des flancs. Et ces flancs s'écoulent lentement. Ces sols très riches en matière organique qui retiennent bien l'eau avec cette matière organique s'écoulent lentement. Et c'est eux qui sont les châteaux d'eau des grandes cités andines. Kitos, Bogota. Et malheureusement, d'ailleurs, aujourd'hui, la maltraitance de ces sols par des défrichements et des pâturages intensifs met en péril les réserves d'eau de ces villes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des sols assez euh, emblématiques de la capacité à retenir l'eau. Elle est là poussée jusqu'à un degré incroyable, deux fois et demi leur poids en eau. C'est énorme. Vous voyez que donc, la façon dont se comporte l'eau autour de nous a été, est une des constructions des sols. Qui va bien au-delà d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Après le climat et le cycle de l'eau, je voudrais vous emmener haut, à la plage. Alors voilà un endroit qui m'est cher, qui n'est pas très loin d'ici. Nous sommes à Belle-Île. Et on voit que l'eau est assez verte. Hein. On devine, quand on sent les microbes, que cette eau-là, elle n'a pas la couleur bleue des eaux pures elle est déjà très riche en algues. Et on sait très bien, en fait, que les zones côtières sont très riches. Regardez les zones de l'océan où il y a de la productivité, c'est-à-dire où euh, sont produits des petites algues planctoniques, des, des petits animaux du plancton, des plus gros animaux qui mangent des petits animaux du plancton, des plus gros animaux qui les mangent, et du poisson. Vous voyez que les zones où ça se passe, c'est contre les continents. Alors, il y a deux raisons à ça, mais une raison essentielle, c'est que tout simplement... C'est dans la mer que finissent les eaux qui sont passé dans les sols, puis dans les rivières, puis dans les fleuves. Et au passage, ils ont emmené des choses des sols. D'ailleurs, ça peut se voir à leur physionomie. Hein. Ils ont emmené des choses et en réalité, ils fertilisent l'océan. Voilà sur les Quais de Gironde où toute cette richesse minérale charriée va aller fertiliser l'océan. Eh oui, parce qu'au milieu de l'océan, il n'y a rien. Regardez. Il n'y a pas grand chose. Quand il y a un cadavre, il n'y a pas de sol. Le cadavre du nid cellulaire ou de poisson, il sombre au fond de l'océan, emmenant corps et bien son azote, son phosphate, son potassium, son fer, etc. Il n'y a pas de recyclage dans la zone où il y a du soleil. Et donc, dans l'océan, la surface de l'océan est condamnée à un appauvrissement perpétuel. Sauf là où arrivent ces larmes de sol que sont les fleuves. Les, les sols. Pleure dans l'océan et nous explique un point d'actualité c'est que quand on est pêcheur en Bretagne, on n'a pas envie de faire 50 ou 150 km pour aller vers le cœur de l'océan on a plutôt envie de faire 50 ou 150 km pour aller sur les côtes britanniques. C'est un enjeu de survie. Voilà comme quoi euh, l'actualité peut s'expliquer par les sols. Et comme quoi, quand vous regardez votre assiette, vous ne devez pas penser que les sols y fournissent seulement ce qu'ils ont produit par les plantes qui y poussent ou les animaux qui y paissent mais aussi par les océans voilà une nourriture venue du sol vous voyez que ce sol hors de lui il contribue au climat il régule le cycle de l'eau il fertilise les eaux et il nourrit l'humanité en général et donc, le sol n'existe pas qu'en lui-même, mais en de multiples autres façons, en quoi il est l'origine du monde. Alors, que faisons-nous de ce sol Eh bien, c'est ici, et je rejoins Maët, il y a deux sens au mot piétiner c'est ici que nous le piétinons un peu au sens négatif. Car, n'ayant pas réellement compris cette, ces perspectives qu'a dégagées l'écologie des sols récemment, nous avons fait des gestes intéressants à court terme, mais nuisibles à long terme le labour. Alors le labour, on a déjà évoqué certains de ses défauts, mais j'aimerais d'abord, sur cette image, qui peut paraître normale, euh, cet hiver qui commence, tout le monde est préparé à voir des paysages bruns. Dois-je vous rappeler que jamais les sols n'ont été nus. Il y a toujours eu quelques restes de plantes, sinon quelques plantes vivotantes, même au cœur de l'hiver, pour les couvrir. Ça, c'est une image complètement inhabituelle. Alors, cette image, elle, elle résulte... Où elle implique la destruction de la vie du sol. Cette image, par exemple, d'oiseaux qui volent derrière un tracteur, je ne parle même pas de la poussière qui est un début d'érosion par le vent. Mais regardez, ces, ces oiseaux-là, ils ne sont pas là sans que ça ait un prix pour le sol. Ils sont en train de se gaver de petits animaux du sol et de vers de terre. C'est l'image d'un holocauste. Ceci est l'image d'un holocauste. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les vers de terre qui morflent, les champignons au corps délicatement constitué d'un réseau de filaments se font déchirer dans le labour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'espèces qui n'y survivent pas, de telle sorte que, assez souvent, il y a moins d'espèces dans le sol quand on le laboure que quand on ne le laboure pas, à sol identique. Alors, le paradoxe qui pourrait vous paraître positif, mais en fait, ça ne remplit pas les mêmes fonctions dans le sol. C'est qu'il y, y a souvent plus d'espèces de bactéries. Il y a des espèces qui arrivent à s'installer et qui ne s'installaient pas tant que la compétition des champignons les empêchait de s'installer. Mais une bactérie, en termes de fonctionnement du sol, ne remplace pas un champignon. On voit bien ici l'image d'une perturbation avec certains groupes qui prolifèrent en nombre d'espèces et d'autres qui, au contraire, régressent. Le labour est donc, par rapport à la vie du sol, bel et bien un problème. Néanmoins, il y a certaines espèces qui s'installent, notamment ces bactéries, qui vont bien aérer, respirer plus et je vous l'ai dit, cette respiration accrue du sol, elle fait que vos sols agricoles vont déstocker de la matière organique et contribuer à l'effet de serre. Si vous regardez la teneur en matière organique des sols de France, vous retrouvez ici avec des ronds qui sont d'autant plus gros qu'il y a de matière organique pour chaque case de la carte de France, vous retrouvez les plaines du bassin parisien, vous devinez la plaine Rhénane, la vallée de la Saône puis du Rhône, vous voyez très bien le Languedoc-Roussillon, dont les sols sont bien aérés et respirent beaucoup, vous voyez très bien le bassin aquitain, sauf, sauf sauf, la forêt, évidemment, des Landes, qui, elles, stockent du carbone. Donc on a vraiment un déstockage de matière organique, et ça, c'est une catastrophe, car la matière organique, c'est elle qui nourrit les microbes le lendemain, il ben n'y en a plus beaucoup. C'est elle qui stabilise les trous et qui fait la porosité, c'est elle qui retient l'eau parce qu'elle elle a de l'affinité pour l'eau. Et donc vous obtenez un sol qui s'érode plus facilement, qui nourrit moins bien ses microbes et puis qui lutte moins bien contre l'effet de serre, puisqu'il déstocke du carbone. Alors justement, venons-en à l'érosion. Notre sol qui à moins de matière organique. La matière organique, c'est un peu la colle dans le sol. Les débris d'organismes morts, c'est poisseux. Les débris de gel de verre, c'est poisseux. Ces sols qui sont déstructurés, les filaments de champignons sont arrachés, les racines sont arrachées, il y a moins de matière organique, donc les éléments du sol collent moins, ces sols partent beaucoup plus vite, soit dans l'air, soit surtout dans l'eau. Et vous avez cette image habituelle, après une pluie, de présence d'eau colorée sur la route ou d'eau colorée dans les rivières. Mais ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aller voir les mêmes rivières à côté ou les mêmes ruisseaux à côté dans une forêt, l'onde est claire, ainsi qu'au plus beau jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui partent. Il y a un peu d'érosion, là, mais il y en a beaucoup moins. À vrai dire, il y en a 100, 10 à 100 fois moins d'érosion quand on ne laboure pas. Et le labour favorise l'érosion. Il favorise même dans certaines circonstances l'érosion par le vent. Et là, nous allons dans les années 30 au Texas avec ce qu'on a appelé le Dust Bowl, qui a été cette gigantesque érosion par le vent des sols qui avaient été cultivés de façon et très labourés de façon inappropriée. On a scalpé les sols de certaines exploitations à cause de vents qui ont emporté. Le sol, et ce sol s'est redéposé sur d'autres exploitations. Alors vous allez me dire, elles ont gagné du sol, mais elles se sont surtout trouvées complètement enfouies dans le sol. Ça a entraîné la migration de dizaines de milliers d'agriculteurs ruinés, et ça a inspiré à Steinbeck les raisins de la colère. La colère d'avoir tout perdu. Ce qui a commencé par la perte des sols, et qui a fait dire à Roosevelt qu'un pays qui ne s'occupait pas de ses sols méprisait son avenir. C'est à méditer. Hein. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité sur Terre, c'est l'histoire de l'emballement, de l'érosion. Et on compte aujourd'hui que sur les 80 à 100 milliards de tonnes de sol qui retournent chaque année à l'océan, 50 à 90 ça dépend des estimations, n'y retournerait pas si on n'avait pas des sols labourés. Donc à court terme, nos anciens ne s'y sont pas trompés. Le labour était une pratique qui avait l'intérêt de désherber, d'aérer et de rendre poreux le sol, facilitant la pénétration et la respiration des racines, et de remonter la fertilité. Oui, mais ça perturbe la vie du sol tout autant que ça perturbe les racines des plantes que l'on souhaite tuer. Ça aère et ça rend poreux, oui, mais ça détruit la matière organique, avec tous les effets secondaires sur la rétention de l'eau, la capacité du sol à résister à l'érosion et à nourrir des microbes, ou à lutter contre l'effet de serre. Et puis certes ça remonte à la fertilité, mais comme l'érosion est accrue lentement, nous perdons ces sols. Nous avons tous, visitant les grandes cités de la Grèce antique ou de la Rome antique, vu ces cités au milieu de grandes campagnes au sol squelettique. Et nous nous sommes dit, ah oui, bien sûr, les sols méditerranéens, ils sont squelettiques. Pensez-vous vraiment que nos anciens aient installé ces villes, loin des endroits où était produite la nourriture, non. Ils les ont installées au milieu de plaines fertiles. Ils les ont labourées 4 à 5 000 ans. Et le résultat, il est là. C'est que le labour fait fondre les sols. Et ils disparaissent sous nos yeux. Alors, on a aussi eu des pratiques qui ont brillé par leur effet à court terme, mais sont dangereuses à long terme. Par exemple, des pratiques de pesticides. L'un d'entre eux très discuté, le glyphosate, s'avère extrêmement toxique pour les vers de terre et notamment pour leurs cocons, c'est-à-dire les groupes 2 qu'ils laissent dans le sol et qui sont après un labour le seul espoir qui est des vers de terre de nouveau. De la même façon, le glyphosate est extrêmement toxique pour les spores des champignons qui font les fameuses mycorhizes. Vous savez ces associations avec les racines des plantes. Et après un labour, il n'y a que les spores de ces champignons qui puissent leur permettre de se développer à nouveau et de refaire des mycorhizes. Eh bien, le glyphosate est extrêmement toxique pour ces champignons. Le glyphosate n'est pas calculé pour tuer ça, c'est un herbicide, mais il a cet effet secondaire. Il est donc incompatible avec les mécanismes qui mettent en place les sols et leur exploitation par les plantes. D'autres intrants pardon, sont les engrais minéraux. On a remplacé. Euh, la matière organique, dont la décomposition, le fumier par exemple, dont la décomposition libère de l'azote, du phosphate, du potassium et toutes ces choses-là, on a remplacé ça par des, des engrais minéraux, c'est-à-dire du nitrate, du phosphate, du potassium sous forme minérale. Évidemment, les plantes poussent bien, mais regardez, une plante qui a beaucoup d'azote et de phosphate ne va plus payer les champignons pour aller faire les courses. Elle n'interagit plus avec les champignons mycorhiziens parce qu'elle peut se nourrir toute seule. Si vous habitez au-dessus d'une boulangerie, vous ne payez pas un, un gamin pour aller chercher du pain. Vous allez le chercher vous-même. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que quand on rajoute des engrais, on voit que, alors même que la quantité de champignons pathogènes du sol reste constante, la quantité de champignons capables de faire des, des mycorhizes s'écroule parce qu'ils ne sont plus nourris par les plantes. Au passage, la plante perd aussi leur effet protecteur. Et ça appelle des pesticides. Donc c'est une logique qui a nourri l'humanité. Hein. Il faut bien comprendre que. Pesticides et engrais ont stabilisé la quantité d'aliments et nous ne souffrons plus de famine. Mais aujourd'hui, nous voudrions réduire les effets secondaires de cela et sur notre santé et sur celle des sols. D'autant plus que ces engrais, amenés en grande quantité, ils sont certes plus faciles à attraper pour la plante, mais il y en a tellement qu'il y a des fuites. Et ces fuites finissent, on le sait, dans les rivières, puis dans les fleuves, puis dans la mer. Et on redémontre ici ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que les sols abreuvent, alimentent les océans. Ça finit en marée verte sur les côtes bretonnes ou en marée brune sur les côtes caraïbes. Ça finit en engrais pour algues et ça fait ces marées d'algues qui n'en finissent plus d'essayer de se décomposer et de nous empuantir la vie à coup d'hydrogène sulfuré. Donc vous voyez que finalement, nos pratiques de labour, nos pratiques d'intrants sont problématiques. Mais il y a une dernière pratique qui montre que ce n'est pas que les agriculteurs qui foutent le bordel. Nous foutons le bordel collectivement. D'abord parce que nous achetons les produits agricoles et donc nous les validons quelque part et nous validons les pratiques qui sont derrière. Mais aussi, un autre problème est l'artificialisation, l'extension de nos villes et de nos infrastructures de transport. Bonan, Malan, c'est un département français de taille moyenne qui est soustrait à la surface agricole utile tous les 7 à 10 ans. Et d'une façon paradoxale, on voit s'étendre des villes alors que d'autres meurent. J'étais la semaine passée à Sainte-Foy-la-Grande, puis à Périgueux. Ville dont les centres-villes peinent à entretenir ce qui fut leur grandeur et leur formidable patrimoine architectural. Pendant ce temps-là, quelques pas de là, en prenant le train pour retourner à Paris, je voyais les quartiers en construction dans la périphérie de Bordeaux, au détriment de sols agricoles fort fertiles. Or, vous savez, les sols, on, quand on les a perdus, on ne les refabrique pas. Il faut de l'ordre d'un millénaire chez nous pour faire un sol. En sorte qu'un sol est quelque chose qu'on hérite et qu'on doit transmettre. Nous pouvons en encaisser les intérêts qui sont la production de matières organiques, de viande animale ou de végétaux. Mais que les intérêts Nous devons préserver le patrimoine. Or, aujourd'hui, notre façon de produire augmente les intérêts au détriment du patrimoine qui fond et qui disparaît parfois physiquement. Notre sol est piétiné par l'excès de labour. Il est piétiné par les pesticides, par les engrais minéraux et par l'artificialisation. Mais je vous ai décrit l'une des plus belles et des plus complexes constructions du vivant que je connaisse. Le sol est beau. Son étude est, à mon sens, et je suis très sincère en disant ça, à une dimension esthétique. C'est quelque chose d'absolument superbe. Je ne vous en ai montré que, que ce qu'une heure peut permettre d'en montrer, c'est-à-dire rien. C'est quelque chose d'absolument superbe, dont la compréhension nous donne aujourd'hui des perspectives pour une agriculture sans labour, une agriculture basée sur le recyclage de la matière organique, une agriculture qui lutte contre l'effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que le sol est plein de vie, il est fait de vie, il est animé par la vie. Il existe en de multiples fonctions que nous voulons voir préservées hors de lui, et s'il est piétiné aujourd'hui, nous avons, dans la connaissance des sols, toute la capacité de les faire vivre demain et de continuer à profiter de ce que nous croyons naïvement être les écosystèmes terrestres, mais qui ne sont que la surface, la piètre surface, la maigre surface, la pauvre surface en diversité d'organismes et d'interactions, de ce qui est bel et bien l'origine du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire les sols. Voilà. Magnifique conférence, comme d'habitude, c'était vraiment un, un, un plaisir. Il y a 170 personnes qui nous suivent aussi sur, euh, sur Internet. Et euh, bien sûr, alors juste, juste un mot, puisqu'on terminait sur, sur le livre, juste un petit mot quand même, avant de vous donner la parole pour les, pour les questions, euh, sur euh, la construction même du livre, qui est quand même assez intéressante à, à, à présenter. C'est un, une histoire en trois actes. Euh, avec des chapitres euh, voilà euh, euh, différents euh, toujours euh, une grande créativité dans la dans la présentation des, des choses alors ça commence l'acte 1 l'âme des sols les ingrédients d'un grand pot pourri l'acte 2, la dynamique des sols quand le vivant façonne l'inerte et l'acte 3 du sol à la plante l'excursion souterraine dans la dans la vie euh, végétale que, comment est-ce que Comment est-ce qu'on aborde ce, ce livre, vous l'avez écrit en quoi En deux ans Alors, c est, c est, vous savez, l'écriture d'un livre, ce n'est pas un truc qui se mesure. Ouais. Euh, je, le premier jet a été écrit en, si on remet tout bout à bout, un mois et, un mois et quelques jours. Après, ce premier jet, il était possible de le faire ainsi parce que ça faisait 30 ans moi, que, que je pensais à ça et que j'avais la chance de l'enseigner. Et quand on enseigne, on met en forme, on voit ce qui dépasse, on rabote, on trouve une blagounette qui marche bien, donc on, on la refait pendant 30, les 30 ans qui suivent. Euh, donc c'est à la fois 30 ans, c'est à la fois un mois et demi. Et puis après, il y a toute la finition parce que j'ai essayé de faire en sorte que euh, les entrées de chapitre soient un petit peu prenantes. Euh, et ça, alors la finition, ben, comme ça se fait le soir et la nuit, c'est dur de dire quel temps ça fait exactement. Mais au total, euh, c'est six mois de... Et là, il ne faut pas se presser. Il faut vraiment prendre l'essai euh, pour la finition. Enfin, c'est ça la facture d'un livre comme ça. Il y a même des exercices pratiques Ah oui, oui, vous êtes invité à faire des choses. <laughs> Notamment, on vous envoie souvent dans la cuisine parce que c'est là que se trouve le plus d'ingrédients ad hoc. On y trouve même des dictons. Quelques-uns. Ah oui, un bon binage, deux arrosages Oui, par exemple. <laughs> par Mais c'est vrai. Et contrairement à ce que pensent mes étudiants, souvent, ce n'est pas une contrepétrie. Ça sent un peu la contrepétrie. Alors, j'ai des générations d'étudiants qui l'ont cherché la contrepétrie, et il n'y en a pas, visiblement. Oh. Mais c'est vrai, ça marche. Alors un style tout à fait intéressant. Juste une petite phrase comme ça. L'oxygène est un peu le prince charmant. Les scientifiques disent l'occident. L'oxygène est un peu le prince charmant qui, d'un baiser brûlant, libère l'énergie présente dans la matière organique et engendre au passage le fruit de ses entrailles, de l'eau et du CO2. Pas beau ça <laughs> et, et je ne vous cite que celle-là. Il, il y en a énormément. Ouais, mais comme le ça. confinement était propice à... Oh non, non. Ah oui, c'est ça. <laughs> Sinon à la poésie, du moins. Oh, voilà. bon. Alors, je ne vais, <laughs> vais pas continuer comme ça parce que je, je veux vous donner la, la parole pour les questions. Je suis sûre que vous en avez euh, à, à poser à... à, à à Marc André, on dira un petit mot aussi des petites histoires naturelles. Si juste encore une chose que je voulais dire quand même. Cette étude des sols, vous avez vous avez dit qu'elle était absolument passionnante, etc. Mais euh, vous racontez d'ailleurs au, au début de, de ce livre qu'en fait euh, dans votre cursus, c'est arrivé un petit peu tard cette cette euh, euh, la, 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 de, de découvrir l'intérêt de, de cette étude des sols, parce qu'on ne vous l'enseignait le, pas bah, dans, 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 Au moins, alors c'est moins vrai maintenant, mais malheureusement encore un peu vrai. Dans un circuit universitaire, non, on ne l'enseigne pas trop. Moi, j'en ai pris conscience vraiment quand j'ai eu la chance de faire l'école forestière à un moment en spécialisation de ma scolarité. Parce que c'est vrai que les écoles forestières et les écoles d'agronomie ne peuvent pas éviter de croiser ça, mais c'était une matière un peu marginale. J'ai essayé d'insérer ça dans les programmes de seconde, ayant eu la chance d'être au, 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 dans les commissions de programmes d'enseignement, parce que je pense que c'est important. Euh, donc maintenant, il y en a dans le programme de seconde, mais euh, ce n'est pas donné, parce que bon, déjà, il n'y a qu'une heure en seconde par semaine, donc euh, autant dire rien. Et puis, de toute façon, il euh, n'y a pas d'espoir après, puisqu'il n'y a plus de sciences de la vie de la Terre en première en terminale. Alors, justement, juste par rapport à, à cet enseignement de, de, des sciences de la vie bah, de la Terre Ce non-enseignement, oui. Ce non-enseignement. Parlez-nous un petit peu d'un. C'est -ce sous forme d'association, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui. J'ai je, je, la chance et la difficulté, parce que ça soulève des espoirs sans soulever beaucoup de moyens, d'être de, le président de la, de la fédération Biogé. Un mot qu'on a emprunté à Michel Serre pour montrer que notre association, est en, bien qu'ayant un message disciplinaire, se construit dans l'interdisciplinarité. Et ça, c'est important parce que c'est l'interdisciplinarité qui nous permet d'étudier vraiment toutes les facettes de, de chaque objet. Mais ce que nous voulons dire, c'est que la, la facette biologique, géologique, les, les sciences, ce qu'on appelle l'histoire naturelle, nous autres, au muséum, depuis quelques siècles, mais bon, maintenant, on appelle ça les SVT, euh, les sciences de la vie et de la Terre ou, ou les sciences nat. Bon. Ces disciplines sont une facette sous-représentée dans la sensibilité qu'ont nos décideurs et dans la formation des enfants. Donc, on se bat. On, c'est quoi C'est six académies, dont celle des sciences et celle de l'agriculture. C'est une trentaine de sociétés scientifiques, une quinzaine de sociétés d'enseignants et de journalistes, des fédérations d'entreprises qui se sont réunies pour essayer de porter cette idée que euh, nos disciplines, si on les prend en charge à temps, si on les maîtrise un peu mieux, elles donnent des éléments de solution, elles sont des outils. Et nous allons organiser à partir de l'an prochain, à Rouen, des journées annuelles qui s'appelleront naturellement. Ou sur des thèmes tournants, la nature en ville, pour la première année, nous allons essayer de montrer en quoi euh, au fond nous connaissons tous un peu la nature, mais si nous la connaissions mieux, nous pourrions en sortir des façons d'agir mieux, par exemple d'améliorer la ville. Alors ça, ben, je, si vous avez envie d'adhérer à Biogé, tout est en ligne, B-I-O-G-E-E. -E. Euh, et si vous avez envie d'être bénévole et de nous aider. Eh bien vous verrez, vous n'aurez pas de difficulté à prendre tous les prénoms de ceux qui sont déjà actifs. Ça, passe, ça va être très vite fait. Et nous, on apprendra le vôtre avec plaisir et on vous donnera du travail. Oui, mais quand on a entendu une conférence comme celle-ci, c'est vrai qu'on a envie de la partager. C'est tellement passionnant, etc., oui. que voilà. Donc à voir et à revoir hein, sur le site de l'Espace des Sciences et faites passer la le... <laughs> peut-être. Alors tout de suite, je vous donne la parole si vous avez des questions, une réaction. Je salue dans la salle des, des amis qui ont participé à l'organisation de, de, de la semaine de, de, de l'arbre qui se déroule en ce moment. Euh, à Rennes et je salue monsieur Lebouc qui est le président d'honneur de la société d'horticulture et avec qui j'ai eu le, le plaisir de travailler il y a très très longtemps dans une autre vie à la radio quand il faisait des chroniques. Il faisait lui-même aussi des, des chroniques sur Radio Armorique à l'époque. Je crois que quelqu'un veut poser une question, je vous en oui, prie. Oui, Allez-y. Euh, merci beaucoup pour la conférence. Et euh, j'avais une question, euh, parce que j ai, j ai, voilà, la chimie, c'est très très loin derrière moi, et je n'ai pas très bien compris le rapport euh, euh, matière organique, donc voilà, quel carbone, avec euh, le rejet de gaz carbonique. Enfin, je sais qu'effectivement, il, enfin, qu il, voilà, il y a le C en commun, mais voilà, je ne vois pas trop le rapport. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer un petit peu, parler de ce 4 pour 1000. Alors, bon, vous ne l'avez pas compris, mais vous le pratiquez tous les jours, cette histoire-là. L'idée, c'est ce qu'on appelle la matière organique. Ce sont des molécules qui sont faites d'atomes de carbone reliés entre eux et reliés à d'autres atomes. Reliés entre eux et à des atomes d'oxygène et d'hydrogène dans le sucre. Reliés à eux et à des atomes d'oxygène et d'hydrogène ou d'azote dans les acides aminés. D'accord Ces liens contiennent de l'énergie. Si vous amenez de l'oxygène, ça vous permet de les brûler comme quand vous faites un feu avec du bois et de casser toutes ces liaisons et de récupérer l'énergie de ces liaisons dans un feu. C'est sous forme de lumière et de chaleur. Quand on respire, cette énergie est captée par nos cellules pour refaire d'autres molécules, faire du mouvement. En ce moment-là, j'utilise en fait l'énergie qui est contenue dans ces liaisons entre atomes. Donc quand vous avez cassé ces liaisons, ben, il vous reste des petits morceaux. Ces petits morceaux, c'est quoi H2O de l'eau, CO2 du gaz carbonique, des formes d'azote, du phosphate, du soufre. Vous y êtes. Et ces petits éléments, bah, vous allez vous en débarrasser. Mais c'est ça qu'utilisent les plantes pour, avec l'énergie solaire, refaire des grosses molécules qui, qui relient ces substances, enfin ces atomes ou ces molécules entre elles. Vous voyez le processus Il faut de l'énergie pour assembler tout ça. Et quand on démolit tout ça, on fait de l'énergie, mais on libère ce qui est l'engrais des plantes. Bon. Et vous-même, votre urine, par exemple, c'est un engrais pour les plantes. Parce que ça contient de l'azote, du phosphate, du soufre, du potassium, un peu de fer, un peu de. Un peu de méthode, enfin voilà. Donc, euh... alors j'espère que c'est plus clair. Et l'idée, c'est que stocker du carbone, c'est se débrouiller pour que les atomes de carbone soient plutôt dans des grosses molécules qui bougent pas, que sous forme de CO2. Si vous avez de la matière organique dans votre poubelle et que vous mettez ça dans un centre d'incinération, ça va faire du CO2. Vous, vous serez débarrassé de vos ordures proprement mais vous aurez fait du CO2. Si vous mettez votre matière organique bien triée, hein, pas de plastique, pas de métaux lourds, pas, pas de saloperie, si vous la mettez bien triée dans un sol, ou même sur un sol, eh ben, dans ce sol, elle va se décomposer, certes. Ça va donner du CO2, certes, mais lentement. Ça va prendre entre 10 et 100 ans. Donc pendant 10 et 100 ans, quand vous amenez de la matière organique, il ben, y a un peu de CO2 qui sort, mais il y en a qui reste. Donc si vous rechargez en matière organique vos sols, Bien sûr, il y aura des sorties de CO2, mais au début, quand vous en remettez parce qu'il n'y en a pas de la matière organique, ben, il y en a beaucoup qui va rester, qui mettent du temps à se décomposer, et c'est autant qui passe pas sous forme de CO2. De la même façon, quand vous faites pousser des arbres, le CO2 passe dans le tronc des arbres. Mais le problème, c'est que quand vous faites de la compensation carbone en faisant pousser des arbres, certes du CO2 passe dans les arbres, mais vos enfants ils sont obligés de garder la forêt parce qu'il faut garder la forêt pour garder le carbone sous une forme de matière organique dans l'arbre, qui soit pas dans l'air, ok? Vous leur imposez un aménagement du territoire. Vous faites en fait des forêts qui sont des dépotoirs. C'est vos dépotoirs à carbone. Alors que si vous mettez de la matière organique dans le sol, vous restaurez la fertilité des sols. J'ai vraiment insisté sur le fait que c'est important et que les sols agricoles en manquent. Et donc vous faites juste un sol riche et après vos enfants, ils en font ce qu'ils veulent. De la forêt s'ils volent, des champs de blé s'ils volent, des champs de fraises s'ils volent. Et ça, c'est le truc important. Ou des pâtures d'ailleurs. Si ça, c'est un truc important c'est que dans ces cas-là, votre façon de stocker du carbone devient un outil pour la génération suivante. Et non pas quelque chose que vous lui imposez. Après tout, nous n'avons pas hérité de parties du territoire qui sont déjà aménagées par nos ancêtres. Alors, si une ou deux fois des zones contaminées par des métaux lourds ou par des hydrocarbures, on ne peut rien faire d'autre. Et là, on n'est pas content. Mais une forêt, en termes de stockage de carbone, doit rester une forêt. Alors, je crois, oui, on va venir vers vous. Ouais, j'ai un micro, j'ai une question. Et qui est-ce qui a le micro Oui, ici. Où êtes-vous Ah oui, allez-y. Pardon, oui. je ne vous voyais pas. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon. Euh, moi, j'ai une question sur le travail du sol. Vous avez parlé des effets négatifs du labour. Et du coup, je voulais savoir si toute forme de travail du sol a des effets négatifs sur la vie dans le sol ou est-ce que des, des choses un peu plus superficielles peuvent parfois être euh, positives Alors, il faut que vous étudiez ça à l'aune de ce pourquoi ou du contexte dans lequel les organismes qui vivent là ont été sélectionnés. Dans nos écosystèmes, les racines de plantes et les animaux supportent très bien le travail des vers de terre. Ils s'en servent même des fois. Il y a des racines qui aiment bien pousser dans les galeries de vers de terre. Bon. En Amérique, il n'y a jamais eu de vers de terre, donc cette, profonde, cette perturbation assez intense du sol, bah, les, les organismes locaux ne sont pas adaptés. Quand les vers de terre se sont introduits d'Asie de, et d'Europe, Involontairement, on les a introduits, hein. eh ben, ça a perturbé les plantes locales, ça a augmenté la fertilité du sol, mais les plantes, elles étaient plutôt faites pour fonctionner dans des sols un tout petit peu moins fertiles, et comme elles vivotent à cause de la perturbation, ben ça, en fait, ça favorise les invasions par des plantes européennes. Donc ce qu'il faut, c'est pas raisonner en général, c'est dire localement à quoi les, orga les organismes sont préparés. Et chez nous, ou d'ailleurs en Amérique du Nord, un trait de charrue, ben, sont... aucun organisme n'est vraiment adapté à ça. Donc, tout travail du sol perturbe le sol. Après, il y a peut-être des situations où, notamment, je pense à des sols limoneux qui se compactent beaucoup, il y a peut-être certaines situations où il faut quand même labourer. Mais sans doute pas tous les ans, et puis pas dans toutes les situations. C'est ça que ça veut dire. Et pour ceux qui diraient, comme on l'entend parfois, comme on l'a lu récemment dans une tribune qui a beaucoup tourné sur Internet, qui pensent que c'est un truc de doux rêveur, je vous rappelle que les Amérindiens n'ont jamais labouré. Et ils ont quand même fait des sociétés qui étaient capables de dégager des excédents alimentaires pour nourrir des gens, à bâtir des systèmes de pyramides absolument spectaculaires. Récemment, des travaux au LIDAR ont découvert des, des nouveaux sites archéologiques, plus de 250, je crois, en Amérique du Nord, dont un avec une plateforme sacrificielle de 2,5 km de large. Bon, quand on est capable de faire des trucs comme ça, c'est qu'on a une agriculture qui dépote derrière. Alors, effectivement, il y a peut-être beaucoup de manœuvres pour désherber, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'on a eu des civilisations agricoles sans labour. Faut s'en souvenir. Et aujourd'hui, faut inventer ça avec une certaine efficacité quand même. Peut-être des fois, faut-il labourer. Euh, André, juste, je pose juste une question qui est ici sur Internet. Est-ce que les techniques actuelles agronomiques prennent en compte la préservation à court et long terme des sols Non, 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 parce que les, les seules méthodes de production qui, qui sont apparues, c'est le bio. Le bio, c'est quoi C'est dire on veut pas de molécules chimiques, et c'est très bien. Moi-même, j'achète bio, hein. euh, et c'est très bien pour la santé des agriculteurs, c'est très bien pour la santé des consommateurs. Comme on ne veut pas de molécules chimiques et que les engrais minéraux sont considérés comme tels, on a recours au fumier. Et donc, une vertu de l'agriculture bio pour le sol, c'est de remettre de la matière organique. Les sols d'agriculture biologique sont souvent plus riches en matière organique que les sols conventionnels, mais on laboure toujours. Et donc, on a les effets négatifs du labour. Et le drame, c'est que les agricultures aujourd'hui qui, enfin, qui ne travaillent pas les sols, il euh, y a donc de l'herbe qui repousse entre deux récoltes, on fait même des semis entre deux récoltes. Et le problème, c'est quand on va semer au printemps le blé de l'année suivante, il, il faut absolument supprimer cette herbe. Alors, il y a les régions où il gèle, il suffit d'avoir semé des plantes qui gèlent, et là, c'est peinard, parce qu'à la sortie de l'hiver, il n'y a plus rien. Il y a aussi des systèmes culturels, et je pense à la vigne en particulier, on peut lâcher des bestiaux. Si vous avez un éleveur de moutons, avant que les feuilles de la vigne sortent, hop, vous lâchez des moutons. Puis quand les feuilles sont sorties, vous pouvez même élever des poules. Si la taille est assez haute, ça passe. Mais la vigne, c'est la vigne. Bon, la patate, par exemple, on ne va pas nettoyer avec des poules, sinon elles vont bouffer les feuilles des patates, enfin, des, ouais, des plantes de patates. Donc euh, il reste des cas où c'est difficile à faire, et alors et là le paradoxe, c'est que souvent l'agriculture qui protège les sols utilise des herbicides pour justement nettoyer l'herbe qui reste avant le semis. C'est une agriculture qui est aujourd'hui sous perfusion, enfin pas, pas partout, mais qui est souvent sous perfusion de glyphosate. Alors les sols se portent mieux que si on les laboure. Enfin, il y a encore. Euh, oui. des Alors marques la de progression. question que pense le monde agricole d'un éventuel arrêt des labours. Ben, il est formé à une agriculture basée sur le labour. Vous y êtes, c'est comme si je vous disais du jour au lendemain que les bases de votre profession ne marchent pas. Yes. Alors il y a des gens qui ont déjà réalisé ça et qui, de, de façon pilote, font ça. Moi, je connais des gens qui font de l'agriculture sous couvert et qui ont des rendements pas minables d'ailleurs. Mais, mais ce n'est pas toujours possible partout parce qu'on n'a pas forcément les itinéraires techniques, on n'a pas forcément aussi les variétés de plantes qui vont avec cette nouvelle agriculture. Donc il y a, il y a encore du développement technique. Et, et, et ce qu'en pensent beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est que très sincèrement, ils ne savent pas faire. Mais il y a un pas entre dire je ne sais pas faire et dire on ne peut pas faire. Et je connais une institution agricole assez représentée. Et paraît-il représentatif de l'agriculture, qui le prétend volontiers. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais c'est un peu ces gens qui nous disent vers 1650, ah oui, bon, on ne volera jamais. L'homme ne peut pas voler, ce n'est pas un oiseau. Le bon sens nous dit que l'homme ne peut pas voler. Le bon sens. Dans un de vos livres, je me rappelle plus lequel d'ailleurs, vous racontez que vous êtes euh, avec des, des étudiants et ou enfin, je sais pas des vous, élèves, je crois, des, de des, élèves des jeunes et puis qu'il y en a un qui, qui qui se marre en disant aux autres mon père et mon grand père ils faisaient comme ça on n'a jamais eu de problème. La route <laughs> était toute souillée de, 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 de après les pluies qu'il y avait eu les jours précédents était toute souillée de de dépouilles argilo limoneux donc j'ai pris ça comme exemple. Et euh, bon, ben voilà, moi, j'ai toujours un costume et une cravate pour des raisons personnelles. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure com'. Et donc, il disait, c'est qu'un le, le pecno là, en ouais, cravate, le parisien, là. le parisien en cravate. <laughs> il nous dit ça, mais nous, ça fait deux générations qu'on laboure. Et oui, deux <laughs> millimètres par an, ça ne se voit pas. Ah, si, ça se voit sur la route. Il faut réaliser ce que ça veut dire, sur la route. Mais euh, non, ça ne se voit pas en génération humaine. Et de ce point de vue-là, quand nos anciens inventent le labour, à court terme, ils ne se plantent pas, ça, ça marche bien. Et ils n'ont pas les moyens de voir les conséquences à long terme. Aujourd'hui, on les a. L'érosion n'emmène pas toutes les substances. Et donc, il y a des substances qui se reconcentrent à la surface du sol au fur et à mesure que les autres partent. Ce sont notamment des métaux lourds, des choses comme ça. Et donc, en fonction de leur accumulation, vous pouvez voir les vitesses d'érosion. Et ça, ça nous donne le facteur 10 à 100 que je vous disais tout à l'heure, quand on laboure alors, andré, là, qui est oui, là, son je petit chapeau veux savoir pointu. Qu ce qui se passe en cas de conditions extrêmes, c'est-à-dire un grave incendie ou, au contraire, euh, un grand gel, ou alors, euh, à l'inverse, euh, une grande inondation ou la sécheresse. alors, la grande force des sols qui fait qu'à court terme, nous ne voyons pas toujours euh, les effets de, des perturbations, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une résilience. ils ont une capacité à survivre aux éléments, aux événements rares. S'ils sont naturels, cest hein. s'ils sont spontanés. Et donc, euh, très souvent, vous avez des sécheresses qui font que ça sèche à cœur du sol. La plupart des cellules, des filaments de champignons meurent, beaucoup de bactéries meurent, beaucoup d'amibes meurent, certaines font des kystes, des espèces de formes d'attente. Et puis, quand, quand l'eau revient, tout ça reprend vie. Alors, au début, ça va qu'un cas, mais voilà. C'est comme après un labour hein. il y a des champignons qui repoussent, il y a des vers qui recolonisent. Ça, ça s'appelle la résilience. Le problème, c'est que quand on multiplie les perturbations, quand les sols reçoivent à la fois des pesticides, des microplastiques, beaucoup d'azote, des perturbations mécaniques, là, vous commencez à avoir des sols qui mettent plus de temps à revenir à un état qui n'est pas forcément tout à fait l'état antérieur. Mais les sols ont une grosse capacité à résister aux perturbations, oui. En tout au moins aux perturbations, quand elles n'arrivent pas toutes ensemble, aux perturbations qu'ils ont déjà subies. Parce qu'évidemment, les organismes qui sont là, c'est ceux qui ont déjà survécu, peu ou prou, à ces perturbations-là. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois des perturbations qui sont plus nombreuses. Après tout, le labour, c'est un gros passage de verre de terre. Sauf que c'est plus intense et c'est plus fréquent. Et puis, on a des nouvelles perturbations, comme par exemple ces microplastiques qui, qui sont générés par l'activité, qui retombent sur les sols. En plein milieu des parcs américains, il y a 20 kg par hectare et par an de microplastiques qui retombent. Et ça, ça retombe sur le sol et ça modifie beaucoup les propriétés du sol et ça peut aussi intoxiquer les organismes du sol. Donc il y a à la fois ces nouvelles perturbations et l'intensification, l'intensité croissante des perturbations de type classique. Et quand vous empilez tout ça, ben, ça finit par tirer la langue. Quoi. Et c'est ça le, le risque. Alors il y a des pollutions diffuses, comme par les microplastiques, qui sont difficiles à gérer à court terme. On ne va pas tous arrêter d'utiliser du plastique. Il enfin, ne faut, faut pas croire ça. Il faut essayer, mais il ne faut pas le croire à court terme. Mais il y a des choses qu'on peut ne plus faire. C'est toutes les itinéraires techniques qui sont nocifs et qu'on peut essayer peu ou prou, là où c'est possible, de remplacer par d'autres itinéraires. On verra ce que ça donne. Alors si l'on regarde le climat depuis le début de l'agriculture, les perturbations du sol et de la végétation pourraient-elles avoir relâché encore plus de carbone que les énergies fossiles Alors je ne sais pas, mais cette question-là, ça sent la fausse naïveté. Euh, il y a une hypothèse émise par un climatologue euh, américain. C'est un de ses derniers travaux. Quand il est parti en retraite, il a publié un livre qui s'appelle La charrue, la peste et le climat en français. Et euh, en fait, vous savez que depuis 2 millions d'années, on vit dans des périodes alternant glaciation et réchauffement mmh. climatique. Et ça, c'est sous un déterminisme astronomique. Hein. C'est l'inclinaison de la Terre sur le plan de l'écliptique du système solaire. Et euh, bon, enfin, c bref, c'est astronomique. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et donc à chaque fois qu'on rentre en glaciation, on voit, pour des raisons complexes liées à la répartition de la mousson notamment, s'écrouler la concentration en CO2 de l'atmosphère et s'écrouler la concentration en méthane, ce qui baisse la température. En fait, à partir de, des paramètres astronomiques, on peut prédire ce qui doit se passer. Et on aurait dû rentrer en glaciation il y a 7-8 000 ans. Enfin, on aurait dû commencer à refroidir le climat. Au lieu de ça, nous vivons, dans ce qu'on appelle l'Holocène, le une des plus longues périodes stables climatiquement du quaternaire, cette période de 2 millions d'années qui nous précède. Et en réalité, ce qu'il voit, lui, c'est qu'il y a 10 000 ans, la teneur en co de l'atmosphère commence à ne plus baisser autant qu'elle devrait le baisser. En fait, elle cesse de baisser. Dix 000 ans, c'est le début de l'agriculture. Alors, pas vraiment retournée, mais arrérée. Vous savez, l'arrière, c'est un sillon qui rejette de la terre sur les côtés. Ça aère aussi. Et puis on défriche, donc on brûle de la forêt. Ensuite, il y a 5000 ans, c'est la courbe du méthane qui, au lieu de baisser comme attendu, commence à se stabiliser. C'est le début de la résiculture inondée en Orient. Et il valide son modèle avec les périodes de peste, où là la population s'effondre considérablement, la surface agricole diminue, donc l'effet de la bourre ou l'effet d'irrigation diminue. Et on voit remonter, les, on voit redériver les concentrations vers... L'attente glaciaire vers laquelle on file. Et il explique ainsi notamment le petit âge glaciaire qu'on a eu au début du, du, du deuxième millénaire de notre ère, comme les effets retardés d'un refroidissement climatique lié au recul de l'agriculture. Alors, c'est discuté. C'est discuté en particulier parce que des choses comme le, le petit âge glaciaire ne sont pas universelles. c'est pas observé partout sur le globe. Ça a l'air d'être plutôt local en Europe. Bon. Mais c'est aussi, quand on lit les articles, c'est nié par des gens qui n'imaginent pas et ne peuvent clairement pas imaginer que le sol contribue au climat. Et donc la question, c'est pas est-ce que Rudiman a raison, c'est à combien de pourcents il explique ce qui se passe. Mais sans doute la modification du climat a commencé avant par l'agriculture. Oui. Pas de questions dans la salle. Si, pardon. Oui, merci. Bonsoir. Euh, alors moi, j'aurais aimé revenir sur un point de votre présentation, là, euh, au moment où vous parlez de l'impact du glyphosate sur euh, l'éclosion euh, des spores euh, de champignons et des euh, et des cocons de vers de terre. De verre de terre. Euh, déjà, j'aimerais bien, si euh, je parle, je, je ne sais quel moyen avoir la source, parce que c'est toujours bien d'avoir des bonnes sources. Et euh, moi, j'aurais, vous l'avez dit dans une question précédente, que euh, en fait, c'est assez complexe parce que euh, le glyphosate est beaucoup utilisé, euh, justement, par des, des agriculteurs. Moi, j'ai fait mon mémoire sur ceux qui font de l'agriculture de conservation des sols. Qui justement mettent en place des itinéraires où ils vont augmenter les, la concentration des champignons dans, dans le sol et des, des, des populations de vers de terre. Et donc, alors, peut-être que euh, leur utilisation de glyphosate, ils, dont ils sont assez dépendants, va avoir cet impact négatif sur, sur les populations. Mais de l'autre côté, eux, ils vont amener plus de matière organique qui va permettre un, un meilleur développement de, de, des populations. Donc, vous avez l'impression que ça s'équilibre euh, Alors je ne saurais pas dire en termes quantitatifs, mais c'est sûr que ce n'est pas... Alors, il est clair que la principale blessure infligée au sol, en, sur la, à la vie du sol, c'est le labour. Donc quoi que vous fassiez par ailleurs, si vous labourez plus, vous avez plus de vie dans le sol. Et moi, je me suis souvent écharpé avec des théoriciens de cette agriculture-là, qui me disent, mais mon sol est plus vivant. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'ascenseur. Vous, êtes dans une, vous allez dans la Tour Trump, par exemple. Vous rentrez dans l'ascenseur rez-de-chaussée, vous appuyez sur le bouton du 27e étage et vous montez. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au 27e étage qu'il n'y a pas un autre bouton qui vous mène plus haut encore. L'agriculture de conservation, elle est née avec les herbicides. C'est parce qu'on a eu les herbicides qu'on s'est dit qu'on pouvait ne pas labourer. Elle est née avec le paraquat dans les années 50 en Angleterre. Donc elle est vraiment née dans les herbicides, conceptuellement. Mais je vous ai donné tout à l'heure dans ma réponse des façons de faire différemment qui existent déjà. Plantes gélives, broutage. Ben je ne dis pas que c'est une solution. À la limite, gratouillage de la surface pour arrachouiller... Alors, c'est pas terrible, mais pour arrachouiller les plantes avant de passer à la. Donc il y a d'autres pistes et il faut les explorer ensemble. Ces pistes passent éventuellement... Par la sélection de plantes de couvert intermédiaire qu'on sait tuer rapidement. Alors, souvent, je, je, je raconte hein, la plante qui, qui meurt quand on flotte à côté d'elle. Donc, vous la laissez pousser, puis un moment, vous allez semer vos blés, donc vous passez dans votre champ en flottant et elle meurt. C'est une image. D'accord Ça peut être une molécule euh, absolument euh, sans grand effet sur les autres, mais qui va tuer cette plante-là. Enfin, y, y a, il faut penser à ça. D'accord euh, et même si aujourd'hui la sortie du glyphosate n'est pas quelque chose qu'on peut demander comme ça, parce qu'on le demande à, à une structure professionnelle qui n'est pas préparée, il faut quand même à long terme essayer de, de le minimiser. Surtout que, n'en déplaise à certaines agences contactées par l'Europe par pour donner un avis sur la toxicité du glyphosate pour l'homme, la question n'est toujours pas très très claire. Hein. Donc je ne dis pas que les sols ne sont pas plus vivants quand on fait de l'agriculture sous couvert avec du glyphosate. Je dis qu'on peut mieux faire. Il faut qu'on le fasse collectivement et qu'on n'inflige pas à nos agriculteurs de le faire avant d'avoir trouvé les solutions. Parce que ça suffit de demander aux agriculteurs de faire des tas de choses. On sait très bien quand ça finit, ça finit par des morts. Hein. Donc, euh... Alors, une, une question Internet le mieux est-il de faire du compost avec un composteur ou mettre mmh. la matière organique directement sur le sol pour limiter la production de gaz à effet de serre Alors, quand vous compostez, vous avez remarqué que ça baisse de volume. À la fois parce qu'il y a de l'eau qui s'en va, mais aussi parce qu'il y a de la respiration. Et d'ailleurs, vous récupérez un jus qui est très riche en nitrate, en phosphate, hein, un jus de compost. Et, et tout ça, c'est pas mal, parce que ce jus peut servir d'engrais, même si c'est des engrais un peu minéraux, ceux-là, ils ont été fabriqués sans grand dégât environnemental. Et puis dans votre compost, il reste de la matière organique qui contient encore un peu d'azote et de phosphate, et hop, vous mettez ça. Mais moins vous compostez, plus quand vous allez mettre ça sur le sol, il y a encore de, de carbone dedans. Donc un compostage léger, c'est mieux qu'un long compostage. Ou un non-compostage, c'est mieux qu'un compostage. Après, ce n'est pas toujours facile à faire en ville de tirer chaque jour des ordures fraîches. Bon, enfin, en même temps, ça s'organise. Hein. C'est une collecte chaque jour. Et ça, ça peut par exemple être payé par, euh, par des compensations carbone. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un truc à penser. Mais plus vous compostez, plus votre compost et les jus qui s'en échappent se rapprochent d'un engrais minéral. Moins vous compostez, plus ils sont encore en attente d'être minéralisés. Et donc c'est de la fertilité potentielle et du carbone. Voilà. J'ajoute que sur un certain nombre de déchets comme ceux de nos, nos cuvettes de toilettes, là il vaut mieux composter parce que ce mécanisme va tuer un certain nombre de pathogènes. Les transformations du compostage peuvent éviter un certain nombre de pathogènes. Donc il y a certains déchets qui vaut mieux composter parce que ça les nettoie microbiologiquement. Enfin, ça ne les, les, les stérilise pas, ça les remplace par d'autres microbes bénins. Une question d'un un, un spécialiste, hein, Denis Pépin. <laughs> ah oui, pour le oui. coup. Denis, donc, qui prépare une deuxième édition de son ouvrage Compost et paillage. Voilà. <laughs> oui, euh, bonsoir. Vous avez insisté euh, sur le rôle des micro-organismes, des bactéries, des champignons, euh, comme quoi c'est vraiment euh, l'essentiel dans les sols au niveau de la vie. Euh, alors, il se trouve que de plus en plus de gens prônent l'introduction de micro-organismes euh, pour euh, amener de la vie justement dans les sols. Euh, on parle également de prendre dans la litière forestière des éléments qui peuvent réensemencer les sols. Euh, on parle aussi de, de thé de compost, de jus de compost, plein de micro-organismes. Euh, on ne sait pas toujours d'où ça vient, mais qu'est-ce que vous pensez de cette introduction au nom d'un présupposé positif, puisque les micro-organismes sont importants Alors, je pense que c'est une question faussement naïve parce qu'elle renvoie à nos discussions. Téléphonique, puisqu'on s'était longuement parlé au téléphone avant de se rencontrer aujourd'hui. Mais bon, alors, euh, mais c'est vrai, c'est un, un vrai problème. Il euh, y a beaucoup d'organismes qu'on vous propose d'inoculer, soit d'aller chercher en forêt et par des traitements spéciaux de mettre dans vos sols, soit encore d'acheter dans le commerce. Ce qui est en fait une sorte d'intrant. Hein. Et ces organismes-là viennent parfois de très loin. Les EM, hein, les. Euh, alors je ne sais jamais, c'est les Efficient Microbes. Euh, les microbes efficaces, bah, c'est des cocktails japonais. Et ça, c'est dangereux parce que vous savez, quand on introduit des plantes exotiques, on, on, on a un risque que certaines deviennent invasives. Et c'est le cas aussi des microbes. Je pourrais vous parler des diatomées invasives dans les eaux de Nouvelle-Zélande. C'est un désastre total. Bon, donc il y a un risque que certains deviennent invasifs. Et puis et que, de toute façon, même s'ils sont efficaces à court terme, à un moment, il y a une perturbation, un gel rare, un incendie rare qu'elles n'ont pas dans leur milieu d'origine et que pff, elles crèvent. Alors, maintenant, j'aimerais vous dire à quel point chez nous le verre est à demi plein et à demi vide. Quand on regarde, il y a un très bel atlas des bactéries du sol de France qui a été publié par l'équipe de Lionel Rangard de, de l'INRA de Dijon. Moi, j'ai eu l'honneur de préfacer ce, cet ouvrage-là aussi. Et dedans, on voit très bien que la leçon qui est en filigrane, qui est très claire, hein, c'est que euh, dans les sols agricoles, il y a moins de masse biobiense microbienne, mais il y a toujours autant d'espèces. Alors ça veut dire qu'il y a une extinction qui est en train de se produire, mais cette extinction, pour l'instant, c'est le nombre d'individus par espèce qui diminue. Si vous continuez, bah à la fin, vous allez vous retrouver dans la situation du rhinocéros blanc. Hein. Le rhinocéros blanc, il reste deux femelles. Elle est, ils sont là, hein. mais ils sont plus là virtuellement. Donc, on sent bien, et c'est le verre à moitié vide, qu'il y a une extinction en cours dans les, dans les écosystèmes, enfin dans les sols agricoles. Mais il n'y a pas d'espèce... Enfin, moi, vous, ma vie en dépendrait. Je ne saurais pas vous donner le nom d'une espèce qui a disparu. Donc ça veut dire que c'est la belle au bois dormant. Ils sont tous là. Le verre est à moitié plein. Et avec des bons gestes, il faut arriver à réveiller ça. Travaillons. Alors, ça, ça nous rappelle le lab... la, 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 la fable de La Fontaine sur le labour. Sauf que le labour, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais hein, le fond est là. Il faut juste gérer ça. Il faut réveiller le local. Le local, il est adapté à tous les événements climatiques rares. Il est là depuis longtemps. On sait qu'il bah, si... enfin, est centré. Il ce pas un équilibre, mais enfin tout le monde s'entretue et il n'y a personne qui arrive à devenir invasif. C'est ça hein, l'histoire. <laughs> bon. Et donc, au total, euh, ce qu'il faut, c'est vraiment la belle au bois dormant. Quoi. Il faut aller donner des baisers. Et des baisers, ce n'est pas des coups de charrue. Il faut aller donner des baisers à ces microbes du sol pour les réveiller. Et alors, des gestes comme les apports de matière organique, des gestes comme des plantations de plantes en un, entre deux cultures semées, c'est le type de gestes qu'on sait envisager maintenant pour réveiller l'existant. C'est quoi cool. la. Technique du biochar. Ah. Euh, on parle de la production de biochar, fixation de carbone, et d'en mettre dans les sols agricoles, dans les fosses de plantations urbaines. Le biochar, hein, c'est des charbons hein, assez carbonisés, où, où ça devient du carbone un peu poreux. Et donc ça, les microbes ne le décomposent plus parce qu'ils ne savent pas gérer ça. Ces petits morceaux de charbon restent très longtemps dans les sols. Les sols, d'ailleurs, gardent la mémoire des incendies passés, même spontanés, parce qu'il reste des petits morceaux de charbon. Qui permettent, quand on les date, de savoir qu'est-ce qui poussait là à tel moment, si on arrive à reconnaître quel bois c'est. Enfin, le, le, le charbon, quand il est bien carbonisé, c'est très stable dans les sols. C'est microporeux, ça retient l'eau, euh, ça peut, par des interactions électriques, retenir certains minéraux, hein, comme, comme de l'ammonium ou du potassium. Donc, ça, ça peut être très riche pour les sols. Et y a, on connaît des sols que l'humanité a enrichis en mettant des cendres des cendres et des produits de combustion incomplète, des charbons euh, issus de, 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 de feux domestiques euh, incompl incomplets. Euh, deux exemples, donc les terra preta que certains connaissent peut-être, qui sont ces sols très noirs d'Amazonie extrêmement riches par rapport aux sols voisins, inexpliqués parce que bah, ils étaient au milieu de la nature. Il a fallu du temps pour comprendre qu'il euh, y avait là des civilisations agricoles mais qui sont, ont été décimés par les maladies amenées par les Européens, donc elles sont plus là, et qu'en fait ces, ces gens-là entassaient leurs déchets, leurs fausses d'aisance, leurs poubelles et les restes de leurs feux dans ces sols, et ces terra preta sont très très noires parce qu'elles contiennent beaucoup de biochar. On a en Europe, souvent on oublie qu'il y a des choses pas très loin de chez nous, dans le nord de l'Europe, sur des sols, des sols sur sable, très très pauvres, des sols de lande. Les gens récoltaient la lande, en faisaient de la litière pour le bétail et foutaient ça avec des déchets de, de feu domestique. Dans, dans, dans certains sols qui finissaient par s'enrichir, euh, des sols qui aujourd'hui sont les sols de Plagen, sont quelques centi quelques dizaines de centimètres au-dessus des sols voisins, tellement on a entassé de choses dedans, et qui sont devenus extrêmement fertiles grâce à ça. C'est formidable d'avoir ce, ce genre d'idée. De, de, comment comment ça se venu Alors en plus, c'est matière revenu, organique, là, il... le, le carbone, il se dégrade pas. Hein. Là, c'est de la fixation de carbone pour longtemps. Après, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas fait beaucoup de biblios sur les biochars et je suis plein d'humidité. Je ne dis pas qu'il faut foutre du charbon partout. Je ne sais pas très bien quelles sont les limites, euh, mais c'est clairement une piste à explorer. Mais je ne connais pas assez bien la littérature pour vous dire s'il faut absolument mettre du charbon dans vos sols. Enfin, du charbon euh, de la cheminée, hein. pas du charbon fossile, bien sûr. Bien, écoutez, on va, on va peut-être euh, euh, s'arrêter là pour que vous ayez le temps d'aller discuter peut-être avec euh, Marc André derrière sa table euh, et, et ses livres, euh, juste pour dire euh, euh, à la fin le mot de la fin. Alors 43 euh, chroniques, hein, les 43 chroniques euh, que vous avez présentées sur France Inter pendant toute une année, euh, chaque carré, mercredi. Oui. Euh, avec là aussi des, des dessins d'Arnaud Raphaélian qui s'est lâché, dites-vous. Hein, ah bah là, il y a un thème différent par page. Alors du coup, il a fait un dessin par page et euh, là, il était à l'aise. Hein. Et euh, le mot de la fin, moi, il y a une phrase qui me, qui, qui me, qui me touche et que je trouve importante de te dire. Vous dites, je suis donc partagé entre mon émerveillement de toujours pour le monde vivant et l'indignation devant la façon dont l'homme moderne... Si votre. Paf Ça c'est dit. Oui, mais c'est plein d'espoir aussi. C'est l'espoir que la connaissance réveille, informe l'action citoyenne. Donc. Lisez les livres, écoutez les conférences, les réécoutez, faites, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est très bien. Et, et je voudrais vraiment remercier Marc André parce que demain matin il va prendre un avion très très tôt parce qu'il est attendu à Marseille <laughs> dès, de, dès demain matin. Donc merci d'avoir maintenu votre présence ici à, à Rennes, à, à l'Espace des Sciences. On a toujours tellement de, de plaisir à vous rencontrer. On se retrouvera l'année prochaine. On a rendez-vous au mois de mars, mais ce sera à Saint-Malo cette fois. Au au théâtre de, de, de Saint-Malo. Euh, on se retrouvera donc dans, dans quelques mois. Et en attendant, merci pour cette belle présentation. Merci. Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir été ici avec nous.